Idriss Déby est mort, l'onde de choc traverse toute l'Afrique et bien au-delà. On en parle ce matin dans le cadre de cette édition spéciale du Grand Débat, édition dominicale qui s'ouvre à nous ce matin. Le Grand Débat consacré au décès du président du Tchad. Il était 11h du matin du 20 avril dernier en N'Djamena lorsque l'information est tombée. On en parle ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Grand Débat sur la télévision républicaine. Ce matin, je reçois comme invité Simon Metienge qui nous vient du RDPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, bonjour à nos nombreux panélistes, bonjour à nos nombreux téléspectateurs également. Merci de m'avoir convié à votre émission. Merci bien également sur ce plateau Hassan Foipon, voilà, qui est donc consultant permanent avec nous ce matin dans le cadre de cette autre livraison du Grand Débat. Bonjour. Bonjour Joël, bonjour à mes copanélistes et bonjour à nos nombreux téléspectateurs. D'accord. Également présent avec nous ce matin dans le cadre de cette émission, Denis Emilien Atangana, président national du FDC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, bonjour copanélistes, bonjour à, aux nombreux téléspectateurs de Candice TV, de cette émission particulièrement. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Présent également à ce Grand Débat, Joseph Chedjou, secrétaire national aux questions électorales de la PAR. Il va définir d'ailleurs le tout nouveau parti politique présidé par Célestin Diamène. Bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les copanélistes qui nous accompagnent ce matin. Bonjour nombreux téléspectateurs de Candice Télévision. Encore merci de nous avoir invités sur votre plateau dans le cadre du Grand Débat. Alors, c'est quoi la PAR, si on peut apporter une définition aujourd'hui? Oui, la PAR, c'est le tout nouveau bébé du Cameroun, l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, par définition, qui a vu le jour il y a environ 3 semaines, signé par monsieur le ministre de l'administration territoriale. Alors, après quoi, nous avons tenu une conférence de presse à Douala, c'était mercredi dernier, justement pour faire connaître à tous les Camerounais l'objectif principal de la PAR, qui aujourd'hui combat pour une société républicaine qui veut éveiller les esprits des Camerounais à être plus patriotiques que tribales et apporter une dynamique nouvelle, n'est-ce pas, dans le champ politique camerounais. D'accord. Alors, il était 11h le 20 avril dernier lorsque tomba la nouvelle du décès du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Il est passé de vie à trépas. On nous replonge dans cette actualité au cœur même de cette sensation forte qu'a connue l'Afrique et même le monde entier dans cet élément, une série d'éléments, une série de reportages signés naturellement Bello Yaouba. Le président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, est mort de suite des blessures au front. Idriss Déby Itno est né en 1952 à Berdoba. Il entre à l'école française à Fada après avoir fréquenté l'école coranique de Tini. Ses études le mènent ensuite au lycée franco-arabe d'Abéché et au lycée Jacques Modéina de Bangor. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, il entame sa formation militaire à l'école des officiers d'active de N'Djamena de 1975 à 1976, avant d'entrer à l'Institut aéronautique d'Amaury Lagrange de Hazebrouck en France. Devenu pilote de transport, diplômé parachutiste, il retrouve son pays en pleine ébullition après le combat de février 1979. Militaire et combattant, avant de s'emparer du pouvoir par un coup d'État en 1990, l'homme de 68 ans venait d'être réélu pour un 6e mandat. Le 3 mai 2006, après avoir su mener une véritable politique de développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté, Idriss Déby est élu président de la République le 3 juillet 1996, puis réélu en mai 2001. Sa détermination pour le développement du Tchad l'amène à briguer un autre mandat à la suite de l'élection présidentielle du 3 mai 2006 et d'avril 2016. Son engagement pour la restauration de l'état de droit et de démocratie a été auréolé par un prix européen. Le président Idriss Déby Itno a reçu par ailleurs plusieurs distinctions honorifiques.
Il a été fait docteur honoris causa en octobre 2010 par l'université Roi Faisal. Acculé par les rebelles, le président Idriss Déby Itno remporte les élections présidentielles du 11 avril 2021, dont le combat avec le rebelle lui est fatal. Le président Idriss Déby succombe de suite des blessures au front ce mardi 20 avril 2021. Que son âme se repose en paix. La situation sociopolitique du Tchad, 24 heures après le décès du maréchal Idriss Déby Itno, reste délétère. Des vives tensions persistent entre les rebelles du Front pour l'Alternance, venus du sud de la Libye, et l'armée gouvernementale. Le gouvernement affirme avoir repoussé des insurgés qu'il qualifie de terroristes et de mercenaires. Plusieurs véhicules blindés sont déployés sur les principaux artères de la capitale politique du Tchad et à sa sortie nord. Plusieurs Tchadiens, sous l'effet de la peur, des représailles et même des vandalismes, se déportent en masse vers les frontières avec le Cameroun afin de trouver une certaine quiétude. Le conseil militaire désigné et dirigé par Mahamad Idriss Déby Itno déploie des stratégies pour éviter le débordement et sécuriser la ville afin d'assurer la continuité du service public. Parmi les mesures prises, nous pouvons énumérer telles que les ministères assurent la continuité des services publics jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement de transition. Tous les services publics et privés doivent fonctionner normalement sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières aériennes et terrestres sont réouvertes à partir de ce jour. Également, les heures de couvre-feu commencent de 20h et s'arrêtent à 5h du matin. Ces panoplies de dispositions permettront de maîtriser au mieux la situation sociopolitique dans la. Le président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, est mort de suite des blessures au front. Idriss Déby Itno est né en 1952 à Berdoba. Il entre à l'école française à Fada après avoir fréquenté l'école coranique de Tini. Ses études le mènent ensuite au lycée franco-arabe d'Abéché et au lycée Jacques Modena de Bangor. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, il entame sa formation militaire à l'école des officiers d'active de N'Djamena de 1975 à 1976, avant d'entrer à l'Institut aéronautique d'Amaury-Lagrange de Hazebrouck en France. Devenu pilote de transport, diplômé parachutiste, il retrouve son pays en pleine ébullition après le combat de février 1979. Militaire et combattant, avant de s'emparer du pouvoir par un coup d'état en 1990, l'homme de 68 ans venait d'être réélu pour un sixième mandat. Le 3 mai 2006, après avoir su mener une véritable politique de développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté, Idriss Déby est élu président de la République le 3 juillet 1996, puis réélu en mai 2001. Sa détermination pour le développement du Tchad l'amène à briguer un autre mandat à la suite de l'élection présidentielle du 3 mai 2006 et d'avril 2016. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Je le fais parce que j'aime ce pays et je ne veux pas que le désordre s'installe dans ce pays. Idriss Déby Itno était un grand amoureux de l'Afrique. Pendant ces 3 décennies de magistère à la tête de la République du Tchad, le maréchal a été de tous les combats en faveur de la stabilité du continent. Son implication récente et personnelle dans la lutte contre Boko Haram au sein de la force multinationale mixte en sont une démonstration évidente. C'est donc à dessein que le Cameroun est représenté aux obsèques de cet ami et frère du président Paul Biya par son ministre de la Défense, Joseph Betti Assomo. Arrivé en terre tchadienne jeudi 22 avril 2021, l'envoyé spécial du président en exercice de la CEMAC a transmis le message de condoléances de la nation camerounaise au Conseil militaire de transition. Ce vendredi, c'est aux côtés de leaders du monde libre que le ministre de la Défense a représenté le Cameroun. Joseph Betti Assomo a posé près de la dépouille du maréchal la gerbe de fleurs, symbole de la compassion du peuple camerounais. Car au-delà de ses relations personnelles avec le président Paul Biya, le maréchal Déby était un allié de poids du Cameroun dans la lutte contre le terrorisme, un associé dans la gestion du bassin du lac Tchad, un partenaire financier non négligeable.
Normal donc que pour ses adieux, le Cameroun ait dépêché l'un de ses porte-étendards les plus fidèles pour dire « Kalawana Lihwanin Atachadin ». Retour sur le plateau du Grand Débat, mesdames, messieurs, vous suivez le débat dominical sur la plus républicaine des télévisions et vous faites bien. Simon Metiengue, est-ce que vous êtes surpris, finalement, on va le dire ainsi, hein, de la mort du décès d'Idriss Déby Itno? Oui, très surpris. Vous savez, Idriss Déby était un homme important. D'ailleurs, il a été assassiné. Oui. Il était bien bon. Mais évidemment, tout le monde était surpris. C'est un coup dur pour le pays de la Sénat qui avait déjà créé une certaine auréole de sécurité autour du bassin du lac Tchad. C'est un coup dur. C'est vrai que Idriss Déby est parti, mais Tchad reste. Donc, je crois que c'est ce qui a certainement motivé le président de la République, son Excellence Paul Biya, à faire le choix d'envoyer le ministre de la Défense, parce que pour le Cameroun, il faut évaluer la menace et pouvoir mettre à profit les énergies pour que, évidemment, la CEMAC, du moins le bassin du lac Tchad, ne vacille pas. Je crois que c'est ce qui motive, ce qui a d'ailleurs motivé la présence du MINDEF de ce côté, au-delà des hommages que le président lui a transmis pour les remettre au peuple frère. Je crois que c'est ce qu'il faut, il faut se dire ici. Il faut noter que déjà le Tchad et le Tchad, le Cameroun et le Nigeria sont engagés dans ce qu'on appelle la force mixte multinationale. Je crois que c'est l'une des forces, les meilleures forces de répression du terrorisme en Afrique tout court. Et je crois que, bien que le maréchal Idriss Déby ne soit plus là, je crois que le Tchad est là et tous les mécanismes restent intacts. D'accord. Alors, Joseph Chedjou, Simon Metiengue a parlé tout à l'heure de l'hommage que son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun, aurait adressé au président, aurait adressé naturellement à l'endroit d'Idriss Déby Itno sous fond de lettre de condoléances. Selon vous, est-ce que la lettre de condoléances a été adressée au peuple tchadien ou alors a été adressée à la coalition, bon, pas la coalition, mais au conseil des militaires? Alors, il faut dire, le plus important d'abord, d'entrée de jeu, c'est de saluer le geste du président Paul Biya qui a agit en tant qu'homme d'État, comme n'importe qui pouvait le faire. Et bien entendu, tenant compte de l'amitié qu'il partage, que le Cameroun partage avec le Tchad, et également l'amitié personnelle qu'il y avait entre le président Paul Biya et le défunt Idriss Déby Itno. Alors, moi, si jamais il s'avérait que cette lettre a été adressée in situ personae, je pense qu'il y a un problème de fond, plutôt qu'un problème de forme. Au niveau de la forme, le peuple tchadien devrait également comprendre qu'en ce moment donné, qui était un moment crucial, il faudrait que une lettre pareille soit adressée in situ personae. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on tient compte de la personne et non pas seulement de la personnalité. Et maintenant, la personne, Idriss Déby Itno, qui incarnait le Tchad, il est de bon temps que la lettre lui soit adressée, ou alors à tout son entourage. Ceux-là maintenant qui sont les profondeurs ou alors les relayeurs d'informations, justement, on devrait savoir que le président Paul Biya a au moins réagi. D'ailleurs, les médias nous facilitent la tâche aujourd'hui. Le peuple tchadien devrait comprendre que, malgré tout, le président Paul Biya a quand même fait un geste à l'endroit de leur président que tout le monde, n'est-ce pas, critique ou alors trouve la pitié, autant pour moi, que tout le monde trouve la pitié de son départ. Puisque c'est une grosse blessure pour l'Afrique. C'est une grosse blessure pour l'Afrique. Nous connaissons le combat que menait Idriss Déby, notamment avec l'arc de bassin du lac Tchad et tout ce qui va avec la lutte contre Boko Haram. Et son départ en ce moment-ci est vraiment blessant. C'est blessant pour l'Afrique. J'ai senti ça très douloureux quand j'ai appris la nouvelle. Nous étions en pleine conférence de presse à Douala quand la nouvelle nous est parvenue, qui s'avérait être confirmée.
que le président tchadien s'en est allé. Mais d'or, nous ne pouvons que lui souhaiter demander que son âme repose en paix et que l'amitié continue entre les pays africains. Le départ d'Idriss Déby Itno ne veut pas pour autant dire que le Tchad est mort. C'est Idriss Déby qui s'en est allé, mais le Tchad reste. Et tous nos souhaits est de bien vouloir que son héritage puisse, n'est-ce pas, ne puisse pas hériter la personne qu'il est, mais également ne puisse hériter des actions qu'il menait, puisqu'il en va de l'intérêt du Tchad et du peuple africain. D'accord. Je rappelle que nous sommes en train de parler naturellement de l'impact, hein, l'impact que le décès d'Idriss Déby Itno aura sur la lutte contre le terrorisme au Cameroun, ce qui constituera naturellement le premier thème de cette émission. Denis Emilien Atangana, homme politique, que vous êtes président d'un parti politique, comment avez-vous réagi en apprenant le décès du maréchal, le président de la République du Tchad? Bon, mais peut-être avant de parler du maréchal du Tchad, je dois quand même dire que nous avons connu une semaine très noire avec le décès de l'ex-première dame, Madame Germaine Aïdjo, qui est partie et que j'avais eu la chance de côtoyer un peu à Dakar. C'est une très grande dame dont je ne saurais aller directement au stade sans exprimer toute mon admiration et les condoléances les plus sincères à sa famille et aux proches qui l'ont connu. Maintenant, venant au Tchad, moi, je n'ai pas été très sympathique par rapport à la situation du président Déby. On ne peut pas se réjouir lorsqu'une personne meurt, mais moi, je vais dire que j'étais un peu triste pour lui, parce que il est mort dans le combat contre la démocratie et surtout contre l'alternance. Il avait déjà fait quand même 30 longues années au pouvoir. Je pense que c'était largement suffisant pour lui de passer la main. Donc je suis très triste pour lui. Je pense que sa perte, son décès n'est pas une perte pour l'Afrique. Elle n'est pas une perte encore moins pour le Cameroun ou encore pour toutes les populations du Tchad. Sur le temps, puisque il y a certes eu des élections, mais quand on regarde le sort qui est réservé à ces élections aujourd'hui, on comprend en profondeur que ce n'était pas les élections qui étaient organisées. Lorsqu'on regarde qu'après son départ, c'est une junte militaire qui s'empare du pouvoir, on comprend qu'il n'a absolument rien fait pour le Tchad, rien laissé. Parce que ce qui fait la valeur d'un homme d'État, ce n'est pas sa longévité au pouvoir, c'est les institutions qu'il construit, qu'il bâtit et qui incarnent le pouvoir après lui. Donc je pense que les 30 ans d'années du pouvoir du président Déby ont été un gâchis. Et je n'ai pas aussi largement apprécié le fait que le président de la République du Cameroun s'adresse directement à la junte militaire. C'était une manière pour nous dire qu'il est peu soucieux des principes de la démocratie, de la légitimité. On ne peut pas comprendre dans un pays comme le Cameroun, où on le chante tous les jours qu'il faut respecter les institutions, il faut respecter la constitution, mais que le président de la République en vienne à écrire à une junte militaire qui, à peine avoir pris le pouvoir, vous annonce que la constitution est dissoute, le parlement est dissous. Je pense que c'est très préoccupant. Je ne saurais soutenir une telle démarche. Je pense que l'Afrique centrale a un réel besoin de construction des institutions. Il faut que les gens, peu importe ceux qui l'ont rédigé, mais du moment où il y a quand même une constitution qui est là, même comme elles ne sont pas toujours consensuelles, mais lorsqu'il y a vacance du pouvoir, que les uns et les autres essaient un peu de respecter ça. Et ce qui se passe au Tchad avec l'implication de la France, je ne doute pas qu'on risque aussi d'avoir ce même scénario au Cameroun. On reviendra tout à l'heure sur l'implication de la France, mais à 5 fois prend. D'aucuns disent finalement que c'est une belle fin pour le président Idriss Déby être mort ou pas. Bon, peut-être qu'en tant que militaire de formation, il était appelé à mourir au combat, puisqu'on suppose que lorsqu'on est militaire, on est censé aller au front et y mourir. Mais s'agit-il d'une belle fin? La fin d'un homme n'est pas belle en fonction de la manière dont il part, mais la fin d'un homme est belle en fonction de ce qu'il a fait pour que la postérité puisse se souvenir de lui comme un homme qui avait le souci des autres. Tout à l'heure, vous avez posé la question à M. Metengue. Si la mort du président Idriss Déby Itno
la supprimer. Moi, je vais vous dire de manière simple qu'aucunement en réalité ne doit surprendre. Parce que tant qu'on vit, on est appelé à mourir. Et on n'a pas besoin d'être malade ou d'avoir de signes précurseurs pour se préparer à la mort. Et dans ce sens, les hommes sages sont ceux qui préparent leur départ. Et pour un chef de l'État prépare son départ en travaillant sur les institutions qui vont permettre le fonctionnement de son pays après son départ. Or, lorsque vous voyez la manière dont le président Déby Itno est parti, d'abord il a été assassiné, cela témoigne généralement d'une volonté de rupture avec un système qui ne fait plus l'unanimité ou qui est même loin de bénéficier de l'assentiment de la majorité. En deuxième lieu, c'est une junte militaire qui reprend le pouvoir. Rappelez-vous que le président Déby Itno lui-même est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et donc, après son départ, c'est une junte militaire qui reprend le pouvoir. On est là en face du même scénario. Je me rappelle encore de ces propos de Rousseau qui disait « Le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître. » Et donc, chaque fois que vous êtes fort et que vous imposez par la force, attendez-vous toujours à ce qu'un autre plus fort que vous puisse un jour vous renverser. Et Rousseau continue en disant « Sauf s'il ne transforme sa force en loi et l'obéissance en devoir. » Donc, une fois qu'on est arrivé au pouvoir par un coup d'État, la meilleure chose à faire serait de mettre sur pied les institutions républicaines et de les respecter soi-même en montrant le bon exemple. Ce n'est que dans ce sens qu'on peut un jour préparer sa mort et avoir une belle fin. Je le redis encore, la belle fin, ce n'est pas la manière dont on est parti, mais la belle fin dépend en fait de ce qu'on aura laissé. Et je ne pense pas, de mon point de vue, que le président Idriss Déby aura laissé aux Tchadiens, au peuple tchadien, bon souvenir. Vous savez, nous avons souvent l'habitude, face aux émotions, face à la mort, de masquer ou bien de faire des faux témoignages. Mais il faut dire que lorsqu'on est président de la République et qu'on a fait 30 ans au pouvoir, parfois, sur la base de la modification de certains principes constitutionnels, la suppression du poste de premier ministre pour s'accaparer un ensemble de pouvoirs, il faut se dire la vérité. On n'est pas bien vu par son peuple et on ne peut s'attendre qu'à ce genre de départ. Tout à l'heure, nous parlerons par exemple de l'impact de son départ sur la lutte contre Boko Haram. Je ne vais pas y entrer, je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord, merci bien pour cette contribution. Alors, Simon Metienge, naturellement, les avis de Hassan Foipon et Denis Emilien à Tangana semblent converger vers un idéal selon lequel le président Idriss Déby d'abord est mort au combat, mais contre la démocratie. Il n'entre pas, selon les dires de Denis Emilien à Tangana. Il a refusé d'entrer dans l'histoire à cause de la confiscation du pouvoir, on va le dire ainsi, et du fait qu'il n'a pas été favorable à l'alternance. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Est-ce que ça ne vous parle pas, vous militants du Rassemblement démocratique? Vous savez, avant d'arriver à votre question, je note ici qu'il y a une très grande différence entre un homme d'État et un homme politique. Oui. Parce que vous allez vous rendre compte que pendant que les hommes politiques sont soucieux de ce que, évidemment, il doit avoir alternance, il doit avoir ceci, ainsi de suite, l'homme d'État se soucie de la sécurité des Camerounais. Et de deux, et ceux qui ont mis en place, parce que le Cameroun a cette logique de ne pas s'ingérer dans les affaires internes d'un pays. Ça a été toujours notre politique et je note que ça nous a causé moins de problèmes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller jouer les donneurs de leçons. C'est-à-dire, il fallait ceci, il faut cela. En tout cas, le renouveau ne s'accommode pas, et même le Cameroun tout entier ne s'accommode pas de l'ingérence dans les affaires internes d'un pays. L'alternance au pouvoir au Tchad concerne les Tchadiens et seulement les Tchadiens. Nous, qui sommes un peuple frère, nous avons le devoir de les aider à surmonter ce problème-là. Nous avons le devoir de continuer à fonctionner ensemble afin que le bassin du lac Tchad reste stable. C'est cela qui motive la démarche du président de la République. Le président de la République pose un acte clair. Il dit, ok, le Tchad est attaqué, le président est mort. Au lieu de faire ce qu'on appelle des cris, des trucs pour dire non, nous ne sommes pas contre ceci, ainsi de suite, alors qu'il y a pratiquement en 2 jours, vous avez 60 000 personnes qui sont entrées à Kousséri. C'est ça qui est préoccupant pour le président de la République. Le bassin du lac Tchad, s'il est déstabilisé, adieu votre démocratie. Adieu tout cela. Il y a des morts, on va les compter en centaines de milliers. Et je note que ce n'est pas en venant dire ici, oui, vraiment, on aurait dû, ainsi de suite, l'alternance est morte, ainsi de suite. Encore que l'alternance est une conséquence
est l'une des conséquences de la démocratie. Parce que si on se fonde sur le fait que c'est encore le peuple qui décide, parce que le peuple qui décide de l'alternance ou de la continuité. Et donc, là, il y a des peuples qui le font. Vous avez très bien vu ce qui s'est passé pendant une vingtaine d'années. Angela Merkel a été à la tête de l'Allemagne. Était-elle une dictatrice, une autocrate? Non. Tant que le peuple allemand le voulait, c'était le cas. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains hommes politiques ont fait une fixation sur l'alternance. Si vous dites que c'est le peuple qui est le souverain ici, qui a le droit à lui seul, l'exclusivité du droit de choisir, alors reconnaissant en lui qu'il peut dire oui, on alterne ou on continue. C'est ça dont il est question. Mais pour le cas du Tchad aujourd'hui, c'est la sécurité qui préoccupe. Nous avons vu un cas de figure comme ça au Nigeria. Lorsque le général Sani Abacha meurt, Abdou Salam Abouka prend le pouvoir pendant 18 mois. Il réinstalle tout et il passe la main aux civils. Ça l'a été. Alors, et donc en réalité aujourd'hui, disons-nous les vérités, le président de la République se soucie d'abord de la sécurité des Camerounais et de la stabilité du bassin du lac Tchad. C'est pour ça qu'il fait le choix d'envoyer le ministre de la Défense, parce que c'est un ministère stratégique. Et donc, à partir de là, on sait à quoi s'en tenir. Donc voilà. Donc évidemment, oui, le ministre délégué, puisque le ministre de la Défense, le président lui-même. Oui, mais nous ne nous accommodons pas de cette forme-là. Nous savons très bien que le ministre de la Défense d'un pays, c'est le président de la République. Nous le savons très bien. Maintenant, il a envoyé celui-là qui permette de rapporter des informations claires pour voir comment mieux sécuriser le bassin du lac Tchad dans ce moment de mais je note que le président Denis Atangana, lui, il ne se préoccupe pas de la sécurité, et ça veut dire que s'il avait été à la place, même si c'est un rêve en couleur, il serait plus dans la figuration de dire oui, je suis au Tchad, ainsi de suite, pendant que il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte au moment où les choses se passent. Je crois que c'est la différence. C'est la différence ici qui existe entre un homme d'État et un homme politique. Parce qu'un homme politique, lui, cherche à tout prix, même marcher sur des cadavres pour arriver au pouvoir, pendant qu'un homme d'État, lui, il cherche à protéger les populations et à veiller à ce que le développement suive. D'accord. Alors, Joseph Chedjou, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut dire finalement qu'au vu de ce qu'on observe du côté du Tchad, on peut affirmer qu'il y a un conseil de transition? Oui, il y a un conseil de transition, justement, avec tout le phénomène que nous voyons depuis le décès du président Idriss Déby Itno. Ce conseil qui est en train de prendre les choses, qui va bien sûr prendre le règne, puisque Déby en est mort. Mais il faut le dire, avant qu'on arrive à votre question, c'est un conseil préparé, puisque le président Déby, jusqu'à aujourd'hui, je ne conçois pas l'hypothèse selon laquelle il serait mort au front, vu que tout un président, il était dans une voiture blindée, et on nous fait comprendre qu'il aurait reçu une balle au centre du cerveau, donc à la tête, et deux balles dans le dos. Mais comment est-ce qu'un président de son envergure, avec toute la protection que vous connaissez, pouvait recevoir trois balles en un seul coup dans une voiture blindée? Donc il faut comprendre que c'était un programme prémédité. Et puis aujourd'hui, il y a bien possibilité qu'il y ait un conseil de transition, justement, puisque la constitution du Tchad le permet de faire. Moi, je me rends compte qu'il y a un peu une banalité au Tchad. J'ai l'impression que désormais, ce sont les militaires qui devraient agir et réagir à toute occasion donnée. D'où, moi, je remets en cause vraiment cette façon de gouvernance au Tchad. Si aujourd'hui, je prends l'exemple de notre pays, nous sommes au Cameroun, et que notre constitution permet à ce que, si jamais le président n'en est plus, ce n'est pas notre souhait, c'est le président du Sénat qui devrait agir en attendant que les prochaines élections en suivent. Mais nous nous rendons compte qu'au Tchad, il y a plutôt un jeu qui est en train de se produire. Et vous voyez, les choses vont tellement vite qu'il y a lieu de dire que justement l'assassinat
de M. Idriss Déby Itno était prémédité, était bien organisé. Ah bon, il a été assassiné. Il a été assassiné. Vous assurez ce que vous dites? Oui, il a été assassiné, puisque les faits sont clairs. Nous avons fait des recherches, et même sans faire des recherches, un citoyen lambda comprendrait justement. Quand vous entendez, j'ai fait une analyse au départ pour vous faire comprendre que monsieur, on dit, est au fond. Et je vous dis d'ailleurs que les rebelles avaient annoncé une base de retraite. Lorsque Idriss Déby finit avec les élections, ils ont annoncé une base en retraite. Mais comment est-ce qu'on nous dit qu'il est allé au fond? Et puis, dans une voiture blindée, il est à plusieurs kilomètres du centre d'attaque des terroristes. Et on nous fait comprendre qu'il était blessé, il a reçu des balles et puis il en est mort. Il n'en est rien de tout ça. Je vous dis, le président Célestin Djamed était encore au Tchad pour suivre les élections. Et quelques jours avant, il a rencontré le président Déby. Et qui lui a fait certaines déclarations que je me permets de taire ici. Et à son retour, quelques jours après, on nous annonce sa mort. Et justement, nous connaissons la stratégie de Déby. Et seulement que Déby a un peu fait mauvaise manipulation de sa stratégie, parce qu'on connaît, dès le départ, il nous a fait preuve d'un bon soldat, d'un bon héros, que tout le monde a salué. Mais à cause de sa mauvaise stratégie, il a été piégé. Et moi, je me rends compte que justement, il a été piégé par sa stratégie. Pourquoi? Certainement, il aurait programmé notre visite dans le camp des terroristes, mais son entourage a profité de l'occasion pour dire bon. C'est aussi une occasion maintenant pour nous d'avoir ce que nous cherchions depuis. Et du coup, ils ont profité pour en finir avec lui. Donc, il y a possibilité de transition au Tchad, vu la circonstance qui prévaut, également les mécanismes qui sont mis en place par les pouvoirs publics ou alors les décideurs tchadiens. Également, vous voyez la vitesse de croisière que cela a pris depuis, nous sommes à moins de 2 semaines du départ de Déby. Mais vous voyez à quel niveau déjà nous voyons les actions se mener. Vous avez vu en image tout à l'heure comment le leader de ces groupes militaires a reçu M. Betty Assomon dans un cadre présidentiel, dans un cadre bien diplomatique, si on veut dire ainsi. Ça laisse donc à croire que justement, il y a toute possibilité au Tchad en ce moment que Déby n'est plus là. Donc, vous vous rendez compte que les Tchadiens, que M. Hassane Frapon l'a dit tout à l'heure, sont certainement victimes d'un certain nombre de tares de la gestion au niveau de la présidence depuis le règne de Déby pendant les 30 années qu'il a écoulé là-bas. Et puis, ils ont peut-être certainement vécu un certain nombre de frustrations et ils n'ont pas besoin de s'exprimer à Mondovision pour que nous, les pays voisins et pays amis, sachions ce qui se passe sur leur cuisine interne. Mais il y a plusieurs, peut-être, ils ont trouvé moyen, ils ont trouvé utile d'éteindre le lion pour pouvoir marcher dans la forêt. Donc, je pense que c'est ça, c'est justement ça de quoi il s'agit au niveau du Tchad. Il fallait éteindre le lion pour pouvoir marcher dans la forêt. D'accord. Alors, Denis Emilien Tangana, c'est clair, Joseph Chediou pense que on peut le dire, il y a une transition officielle du côté de la République du Tchad. Mais quand on vous suit de près sur les réseaux sociaux, vous semblez ne pas être d'accord avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui la transition qui est mise en place par l'armée, au détriment même parfois de la Constitution, la loi fondamentale qui prévoit que en cas de vacances du président de la République, ça c'est la Constitution tchadienne qui le dit, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure les fonctions. Écoutez, le FDC est un parti social-démocrate, donc nous sommes très attachés aux valeurs de démocratie, aux valeurs fondamentales. Bon, moi je suis surpris qu'un militant du RDPC soit sur un plateau et cautionne l'encadrement du pouvoir par les militaires. Donc je pense que cet argumentaire lui mérite qu'il soit... RDPC qu'il ou soit, alors du RDPC, je dis très bien. Je pense que ce nous n'avons pas intérêt à mettre le pied dans une affaire interne, monsieur le Président, c'est ce que j'ai dit. Mérite qu'on vous rappelle à l'ordre. Je préfère que vous me restituez cela. Vous avez cautionné. Non, je dis ceci. Nous ne nous mêlons pas des affaires internes d'un pays. C'est tout. Si vous ne vous mêliez pas des affaires internes de votre pays, vous aurez tout simplement fait un simple communiqué et sans mettre le destinataire qui était le chef de la junte militaire. Qui est également le fils d'Idriss Déby. Quand on voit ce qui se passe, on a la forte impression que la transition au Cameroun sera gérée par la garde présidentielle. Parce que c'est ce qu'on est en train de voir au Tchad. Et le fait que le président écrive directement à celui qui gérait la garde présidentielle et par ailleurs orchestre en chef du coup d'État qui se passe en ce moment au Tchad, ça nous prépare déjà
à ce qui va, à ce qui pourrait arriver au Cameroun au cas où la constitution était dissoute et que les gens de votre parti, puisque vous n'aimez pas la démocratie, vous l'avez dit ici, vous allez aussi nous faire prévaloir l'argument de la sécurité des Camerounais pour qu'on dissout la constitution, on dissout l'Assemblée nationale, on dissout le Sénat et peut-être même que bon, le président du Sénat n'est pas disponible en ce moment, il est un peu souffrant. Et puis, vous allez encourager la garde présidentielle à gérer la transition au Cameroun, peut-être en imposant qui on veut. Mais nous autres, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de voir. La démocratie a des principes. Dans le cas du Tchad, la Constitution, dans son article, dans ses articles 82, 83 et 240, était assez clair sur les mécanismes d'évolution du pouvoir. Donc on ne peut pas comprendre comment un pays qui est en proie à une rébellion, où la société civile existe, où des partis politiques existent, il y a une assemblée nationale, et que des gens se lèvent, ils vous disent que ceci est dissous, le gouvernement est dissous, et on a même l'impression qu'ils ne savent même pas réellement ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent que le gouvernement est dissous. Après, deux jours, on vous dit que le gouvernement qui est là va faire la continuité de quelques services. Après, on vous présente aux obsèques du président, Déby, le président de l'Assemblée nationale qui a signé une lettre honteuse avec encore l'écharpe de parlementaire. On est dans un désordre, dans des incompréhensions qu'on ne saurait expliquer, pour dire simplement que en réalité, ce qui se passe au Tchad, même eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je dis, si c'est honteux pour un pays comme le Cameroun, parce que nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui a un âge assez avancé et qui a une expérience dont on ne saurait douter, je pense que son rôle au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique centrale, était d'amener les uns les autres à respecter au moins la Constitution. On ne peut pas aller cautionner une telle chose. Et moi, j'ai honte pour mon pays qui va cautionner un coup d'État militaire, parce que nous sommes là dans un coup d'État militaire. Du moment où on a dissous la Constitution, on a dissous l'Assemblée nationale, on n'a plus rien à voir avec un pays sérieux. Bon, on est là dans une junte militaire. Je vous relance. Est-ce que la transition qui est assurée par le Conseil militaire actuellement, selon vous, est légitime? Elle ne peut pas être légitime. Mais dans votre compte Facebook, quand on vous a suivi, vous avez d'abord dit que la transition n'était pas légitime et le fait de se présenter en Mondovision à la télé, prendre la parole, ne signifiait pas justement qu'il y avait transition. Et quelques temps après, vous avez reconnu la présidence de... Vous avez reconnu naturellement le président de la transition qui est le fils d'Idriss Déby. Moi, je ne peux pas... Je dis que, premièrement, je donne un point de vue en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen de l'Afrique, et de l'Afrique centrale. Mmh. J'estime que ce qui se passe au Tchad n'est pas du tout normal. On ne peut pas, dans un pays où on vient de dépenser des centaines de milliards pour organiser des élections, et qu'on a organisé quelques années avant les élections municipales, législatives, qui ont permis d'avoir un parlement, et qu'après, des individus vous se lèvent pour vous dire que le parlement est dissous. Mais tout cet argent qui a été dépensé pour assurer ces élections-là, qu'est-ce qu'on en fait? Vous venez d'organiser une élection présidentielle qui a coûté des centaines de milliards. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour dissoudre et nous présenter le faux argument de la sécurité? Mais de quelle sécurité parle-t-on? Alors, pensez-vous que le président de l'Assemblée nationale, s'il avait eu le pouvoir tel qu'il fallait, ne pouvait pas organiser, ne pouvait pas faire des réunions avec les généraux pour que cette sécurité continue à être bien assurée? Donc, moi, je crois qu'il y a des leçons que nous devons en tirer. Premièrement, au niveau de l'Afrique centrale, il faut bien que ceux qui nous gouvernent sachent qu'il n'y a aucune dignité à croire qu'on va entrer dans l'histoire lorsqu'on a fait 30 ans, 40 ans au pouvoir. Le meilleur moyen de juger un homme politique, c'est vrai que j'ai des problèmes avec votre définition d'homme d'État, vous savez ce que vous mettez à l'intérieur, mais le meilleur moyen de juger un homme d'État, c'est ce qu'il laisse après lui. La qualité des institutions qu'il laisse après lui, elles sont plus. Même ce qui arrive étant plus fort que lui, étant plus intelligent que lui, comment qu'il ne puisse pas être au-dessus de ces institutions. Mais pour le cas du Tchad, c'est néant. C'est zéro, c'est un bilan négatif. Et je suis triste parce que lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Niger, où le président Issoufou Adoua a préparé son successeur, mais c'est beaux yeux, hein? C'est tellement élégant dans la démocratie. Mais chez nous en Afrique centrale, les gens pensent que le pouvoir c'est une affaire de famille. Et puis,
vous allez vous rendre compte que la centralisation du pouvoir autour du chef de l'exécutif pose un problème. On a l'impression que tous ceux qui sont présidents du Sénat, présidents de l'Assemblée nationale, en réalité, et premier ministre, ils ne sont que des délégués. Parce que le vrai président qui consacre tous les pouvoirs, c'est le président de la République. Vous allez voir que lorsque le PAN, au niveau du Cameroun, veut écrire, il vous parle de sucré au accord du président de la République. Le président du Sénat veut écrire une lettre, sucré au accord. Le premier ministre, on peut encore comprendre, parce que c'est un pan de l'exécutif. Mais on se pose la question, où est donc la séparation des pouvoirs? Où, lorsque le président du Sénat veut écrire, il parle du clair au accord. Le président de l'Assemblée nationale du clair au accord. On a donc l'impression que tout ce qui devient dans les pays d'Afrique centrale, soit président du Sénat, président de l'Assemblée, ils n'ont jamais voulu ces postes. On leur donne ça tout simplement que rester là. Et puis, s'il y a, par exemple, comme on le voit au Tchad aujourd'hui, vacation du pouvoir, le président, le président de l'Assemblée nationale, vous dit que vraiment, l'affaire là, moi, je ne veux pas. Et il ne le fait pas parce qu'il veut. Peut-être parfois on pose l'arme sur sa tête. On l'a vu au niveau du Mali, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, où certains ont dit, mais non, on n'est pas d'accord avec des pushes. Mais malheureusement, ceux qui sont chefs des institutions, délégués, il faut le dire, parce que je suis convaincu que le président du Sénat au Cameroun, c'est un président du Sénat délégué. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un président national délégué. Le premier ministre, c'est un premier ministre délégué. Et le vrai premier ministre, c'est le président de la République. Le vrai président du Sénat, c'est le président de la République. Le vrai président du Sénat, c'est le président de la République. Donc ceux qui sont, ils n'ont jamais voulu être là. On leur a seulement donné et ils se contentent d'être délégués. D'accord, d'accord. Merci bien. Hassan Kouapon, comment interpréter finalement la proximité, on l'a vu lors des obsèques du président Idriss Déby Itno, comment interpréter la proximité du président français Emmanuel Macron aux obsèques du disparu? C'est une proximité paradoxale, parce que nous sommes là dans le deux poids, deux mesures. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ailleurs, lorsqu'il y a coup d'État, parce que moi, je le dis clairement, on est en face d'un coup d'État, d'un coup de force, parce que rien ne justifie que l'armée puisse se saisir de la transition, lorsque la constitution est claire. Ce n'est pas parce qu'un chef d'État a été assassiné que l'armée a le droit de prendre le pouvoir. Aux États-Unis, Kennedy a été assassiné. On n'a pas vu l'armée s'accaparer du pouvoir sous prétexte qu'il y a un problème de sécurité. L'armée peut bien, aux côtés des institutions républicaines, assurer la sécurité d'un pays. Donc, dans ce sens, la proximité de la France est quasiment une proximité paradoxale. Mais en réalité, révèle le jeu trouble voilà. Que ce pays a toujours eu auprès des États africains et surtout des États de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que là où, dans certains pays, on proclame les principes de la démocratie en disant ne pas soutenir une junte militaire, en indiquant même d'ailleurs que selon les principes de la démocratie, il n'est pas autorisé qu'une junte militaire gère une transition. Mais quand cela arrive au Tchad, on vient cautionner ce qui est selon moi une forfaiture. Parce que de mon point de vue, un esprit démocratique et surtout un esprit épris de liberté devrait avoir en horreur de telles pratiques. Et qu'on voit le président français assister à ces obsèques et être assis tranquillement au premier loge et auprès de ceux qui sont en train de fouler aux pieds les principes démocratiques au Tchad, de mon point de vue, c'est très grave. Mais comme moi, je l'ai toujours dit, en réalité, vous voyez, pourquoi, même si c'est grave, ça ne me gêne pas tellement. Parce que moi, j'ai toujours dit que les pays africains ne doivent pas compter sur la France et les pays occidentaux pour se libérer. Il est clair que ces pays n'ont rien à faire avec notre démocratie. Ils n'ont rien à faire avec l'épanouissement du peuple. Ils n'ont à faire qu'avec leurs intérêts. Ça veut dire que tant que ceux qui sont là au pouvoir peuvent bien évidemment satisfaire leurs intérêts, ils s'en fichent qu'ils soient démocratiques ou pas. Parce que ce qui se passe au Tchad est doublement grave. D'abord, c'est une junte militaire qui foule au pied la constitution. Et deuxièmement, vous avez là une sorte de monarchisation de l'État tchadien. Et ça devient monnaie courante un peu en Afrique centrale. Kabila de Kabila à Kabila, de Bongo à Bongo, de débit à débit. De débutons. Vraiment, on a l'impression là qu'on est en train de monarchiser les États de l'Afrique centrale surtout. Parce qu'ailleurs, on commence déjà à avancer vers une sorte de démocratie. Il faut donc que les États de l'Afrique centrale soient cohérents envers eux-mêmes. Sont-ils pour une monarchie?
Dans ce cas, ils n'ont qu'à remettre sur pied la constitution et se déclarer des monarchies ou des dictatures. Où sont-ils donc pour la démocratie? Il faut qu'ils mettent sur pied des principes qu'ils vont eux-mêmes respecter. Quand, pour ce qui concerne la France, je le dis, c'est grave, mais surtout c'est important ce qui arrive, parce que ça révèle le vrai visage de la France, le vrai visage de celui qui aujourd'hui dirige ce pays. Parce que d'ailleurs, même à l'intérieur de son pays, il a reçu des critiques énormes pour avoir assisté à ces obsèques, pour avoir adoubé en quelque sorte cette forfaiture, cette atteinte grave à la démocratie. Mais, comme je l'ai toujours dit, pour moi, ça ne me dérange pas véritablement, parce que les États africains n'ont pas à regarder ce que fait la France pour lutter pour leur propre émancipation. Parce qu'il est clair que ce pays n'a rien à faire avec les intérêts, avec l'épanouissement des peuples africains. C'est à l'Afrique, c'est aux États africains de prendre eux-mêmes leur destin en main. Et pour finir, vous avez vu que le président Macron était là, au premier loge. Mais où étaient passés les amis, les frères, les voisins directs du président Déby, les chefs des États de la CEMAC? Alors, ils ont brillé quand même par une absence, par une quasi-représentation. On se demande comment est-ce qu'on peut analyser ces absences-là. Parce que les gens laissent passer cela, de mon point de vue. Est-ce que cela traduit peut-être ce qu'on a toujours vu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'union sincère entre les différents pays. Ou alors sont-ils tellement touchés par le deuil de leurs camarades qui n'ont pas pu faire le déplacement? On se pose un ensemble de questions en réalité. D'accord. Alors, Simon Metiengué, pour rejoindre peut-être ce que Hassan Fouapon dit dans le fond, je voudrais vous poser la question de savoir quel héritage Idriss Déby laisse finalement d'abord au Tchad et maintenant à toute l'Afrique, sinon à la sous-région Afrique centrale. Ben, vous savez, moi je venais de suivre un débat qui est purement politicien, qui sort même du cadre sécuritaire. J'ai noté là votre thème qui parle de l'impact sur le terrorisme, donc de la sécurité. On y vient. Et j'ai vu des hommes politiques ici qui sont restés à parler de démocratie, de ceci, ainsi de suite, en escamotant littéralement la sécurité des Tchadiens. D'abord, de un, quelle est la situation sécuritaire du Tchad au moment où il dit ce début meurt? On n'en parle pas. On a l'impression que, à les écouter, on a l'impression que non, le Tchad allait bien et que, évidemment, le président du Tchad a été assassiné. Et bon, on prend. Parce qu'on ne peut pas dissocier la situation sécuritaire d'un pays et la manière dont ce pays est gouverné. À une invasion terroriste de grande ampleur. On ne peut pas dissocier cela. Quand vous regardez l'arsenal militaire que les miliciens au nord du Tchad ont, vous avez l'impression que c'est une armée régulière. Il s'agit des Tchadiens. Et donc, évidemment, on se retrouve. Ah voilà. Est-ce que le terrorisme a une nationalité? Non. Tout le monde peut être terroriste. Donc, ce n'est pas parce que des terroristes sont des Tchadiens qu'on ne peut pas les combattre et que la sécurité du Tchad n'est pas compromise. On fait tout pour sortir de là parce qu'on banalise même aujourd'hui. Et c'est ça qui m'étonne un peu. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous faisons de la nécropolitique. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique où on banalise les morts, on reste dans les « a dit oui, démocratie », ainsi de suite. Pourquoi pensez-vous que les autorités tchadiennes, les autorités constitutionnelles ont été d'accord? Parce que pour eux, la sécurité du Tchad passe avant tout. Donc, nous sommes qui pour venir juger les Tchadiens? Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des donneurs de leçons au RDPC. Nous ne le sommes pas. Nous respectons le choix des pays amis. Et nous travaillons avec eux dans ce sens. Donc quand un ami fait mal, on ne va pas lui dire. Il me semble que vous êtes mal placé pour critiquer le Tchad. Vous êtes même parce que vous ne savez pas. Les relations internationales sont très complexes. Nous mettons les mains partout. Vous ne connaissez pas dans quelles circonstances les Tchadiens, les autorités tchadiennes ont pris cette décision. Vous ne le savez pas. Est-ce que vous avez l'impression que le président de l'Assemblée nationale s'est plaint? Il s'est plaint. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est plaint? Attendez. Alors, il y a une chose, c'est que nous disons ceci. Il revient au Tchad de choisir ce qui est bien pour eux. Il trouve que pendant 18 mois, évidemment, nous savons que nous sommes à une démocratie représentative, président. Sauf si vous faites dans d'autres choses. Alors, et donc, ces autorités-là ont choisi
cette formule-là, pourvu que leur pays soit en paix. Nous avons pris acte de cela, nous avons respecté cela. Mais nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est la sécurité du Cameroun. Et il me semble que le bassin du lac Tchad, dans cette situation, n'est pas en totale sécurité. Et le président de la République, en son âme et conscience, a pris un certain nombre de mesures. Et je vous rappelle, ce n'est même pas seulement avec la mort d'Idriss Déby, parce que depuis un certain temps, il y a des réunions tripartites entre le Tchad, le Cameroun et le Niger. Vous savez très bien que les autorités militaires nigériennes étaient au Cameroun le 1er avril dernier. C'est pourquoi ? C'est parce que nous sommes dans la logique de sécuriser nos populations. Maintenant, le Tchad a fait son choix. Nous ne sommes pas dans la logique de venir leur dire « Vous aurez dû faire ceci, ainsi de suite. » Mais dans la logique, leur dit « La sécurité des Camerounais nous préoccupe. » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que notre sécurité y soit ? Alors, à votre question, à la question que vous posez, c'est-à-dire que vous parlez d'héritage. Naturellement. Je vais vous dire ce que le Tchad a connu 30 ans de stabilité. On a vu un pays stable, un pays qui a engagé. Vous en connaissez deux pays, vous en connaissez 10 pays en Afrique qui ont engagé leur armée pour la sécurité des autres pays. Vous en connaissez ? Le Cameroun, avec le Gabon, par exemple. Voilà. Avec le bataillon d'intervention rapide. Le Nigeria oui, aussi. Oui, c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que très peu de pays le font. Ben, le Tchad le faisait. Le Tchad était au Mali, le Tchad était en RCA, le Tchad était partout. Alors, c'était pour la sécurité de l'Afrique. Dans une Afrique aujourd'hui où il y a des égoïsmes, lui, il était là pour dire non, notre Afrique ne doit pas tomber. Vous savez que la force mixte multinationale qui a fait des merveilles dans la lutte, et qui continue à le faire dans la lutte contre le terrorisme, a été constitué avec l'appui du Tchad aussi. Peut-être que vous ne le savez pas. Alors quand j'écoute des gens dire aujourd'hui démocratie montée, descendue, ainsi de suite, moi, je dis oui, faites votre show. Mais il s'agit ici pour le Cameroun. Parce qu'au Cameroun, personne ne peut le nier. Le Cameroun est un pays démocratique. Ça, personne ne peut le nier. Alors, nous faisons notre démocratie. Maintenant, nous collaborons avec les États qui sont tout autour de nous. Pour le cas du Tchad, il y a la stratégie, il y a juste stratégie, il y a la sécurité, il y a un certain nombre d'éléments, et même économique, vous savez que le pipeline, il y a un pipeline qui relie le Cameroun au Tchad. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux avec le Tchad. Nous ne pouvons pas nous permettre de venir sur un plateau et de dire, oui, le Tchad, ceci, ainsi de suite. Non, non, non. Nous avons de la réserve quand nous parlons des pays frères et amis. Ils nous ont dit que le regretté mémoire Idriss Déby Itno a été tué au front. D'accord ? Nous, il est mort, d'accord ? On fait comment pour la suite ? Et c'est dans ce sens que le président agit. Ceux qui donnent des leçons, bon, ils sont libres de le faire. Mais nous ne venons pas donner des leçons. Nous venons voir comment nous pouvons continuer à collaborer avec un État et comment nous pouvons soutenir un État frère qui est endeuillé. Je juge que Idriss Déby a laissé un héritage. Et c'est même dans ce sens que nous pouvons exhorter les Tchadiens à continuer à militer pour la paix et la stabilité du Tchad, et que nous pouvons également exhorter ce conseil militaire à évidemment pacifier les zones de conflit. Et d'ailleurs, je note que les FA, on dit qu'ils sont prêts à aller sur la table de négociation, de discussion. Ça, c'est une bonne chose. Donc, évidemment, qu'ils en arrivent à juguler leurs problèmes, parce que le Tchad, aujourd'hui, a besoin d'être debout. Et nous, peuple frère, nous devons les accompagner dans ce sens. Mais nous ne devons pas être dans la logique de continuer à foisonner un certain nombre de choses qui peuvent, à la limite même, crisper l'atmosphère et rendre le Tchad ingouvernable. Je rappelle que les conseils militaires, il y en a eu en Afrique. Ce qui est souvent déplorable, c'est que ces conseils militaires excèdent le moment de transition et continuent dans des histoires qui ne sont plus conformes. Je rappelle qu'il y a eu un conseil militaire au Nigeria. Ce conseil militaire a respecté ses 18 mois et a passé le pouvoir au civil. Je crois que c'est dans ce sens que nous pouvons exhorter ce conseil militaire à respecter sa parole et à permettre que les institutions démocratiques continuent à fonctionner, mais que le Tchad soit stable, parce que le Cameroun a besoin d'un Tchad stable pour que le développement continue en zone CEMAC. D'accord. Alors, Joseph Chedjou, c'est clair, l'argumentaire de Simon Mitchengue nous démontre clairement que
Si on veut parler d'héritage, on parlera naturellement d'héritage sécuritaire. C'est clair qu'on aurait dû avoir sur ce plateau le colonel Clément Diemi Bagaou. Oui, je viens avec l'expression, le colonel Diemi Clément Bagaou, qui est donc président et porte-parole de la coalition, on va le dire ainsi, des partis politiques démocratiques du Tchad. On aurait pu l'avoir en visioconférence, mais du côté de la technique, on fait comprendre que c'est pas encore calé avec lui du côté du Tchad. Alors, au vu de ce que Simon Metsenga a dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez, Idriss Déby, c'est clair, il n'est plus. Est-ce que vous pensez que son décès aura un impact négatif dans le processus de lutte contre le terrorisme dans la sous-région Afrique centrale? Alors, monsieur Joël, avec votre permission, je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de rappeler à mon grand frère Simon que nous ne sommes pas ici pour donner des leçons à qui que ce soit. Je pense que nous sommes ici tous comme des intellectuels, des politiciens, nous venons faire des analyses en fonction de ce que nous voyons dans la société et chacun apporte son point de vue pour une construction possible. Ça c'est d'un de deux. Le Cameroun n'est pas encore un pays démocratique comme vous avez dit, il est en voie de l'être. D'accord? Si aujourd'hui encore une prééminence de l'exécutif sur le judiciaire et sur le législatif, ça veut dire qu'il y a encore véritablement séparation des pouvoirs au Cameroun et qu'il n'y a pas encore vraiment cette démocratie dont vous faites part. Alors, à la question, M. Sidney, je pense que le départ d'Idriss aura certainement un impact sur le plan sécuritaire. Là, je rejoins un peu M. Simon dans son argument qui dit justement l'arsenal militaire que le Tchad faisait preuve avec une stabilité militaire et tout ce qui va avec. Nous avons vu ses participations et sa contribution dans différents pays africains dans le but, n'est-ce pas, de maîtriser ou alors de maintenir la paix en Afrique et ou alors de promouvoir la paix en Afrique. Là, je pense qu'il y aura véritablement un impact sur ce plan-là. Sauf que M. Idriss Déby va également, mais son départ n'est pas seulement au niveau du plan militaire, il voulait parler du plan sécuritaire, mais également sur le plan international. Ouais. Il faut le dire, quand vous voyez déjà la présence d'un colon lors de ses obsèques, assis au premier loge, il faut vous poser tant de questions. Pourquoi lui et pourquoi pas nous, les Africains? Nous avons beaucoup de pays africains qui sont bien voisins autant pour moi, au Tchad, à quelques heures de vol, vous y arrivez, mais nous avons laissé la place à ce colon-là au détriment de nos peuples africains. Je me pose la question de savoir où étaient ces différents présidents, comme l'a souligné M. Hassan Fapon. Alors nous voyons justement que l'impact n'est pas de façon globale, mais il est plutôt figé sur l'aspect militaire. Puisqu'on connaît, nous connaissons quand même le pouvoir qu'Idriss avait sur l'aspect militaire, et c'est l'une des raisons qu'on nous fait comprendre aujourd'hui qu'à cause de ça qu'il en est mort. Mais si nous regardons sur le plan des institutions, je vous ai dit tout à l'heure que si vous voyez les militaires agir de la sorte, ou alors si nous sommes dans un coup d'État fabriqué au niveau du Tchad, il faut vous poser tant de questions. Vous posez tant de questions. Également, la mort précoce, je veux le dire ainsi, et subite de M. Déby nous pose tant de questions sur la situation du Tchad. Est-ce que les Tchadiens étaient vraiment satisfaits de la présence de Déby depuis 30 ans? C'est vrai, il est entré là-bas, il a pris le pouvoir par un coup d'État, et peut-être dans ses débuts, il a dû faire ce que les Tchadiens attendaient de lui, mais vous voyez souvent, on dit, quand tu fais beaucoup, tu finis par mal faire. Le temps qu'il a passé, les actions qu'il a eu à mener, certainement, il a failli quelque part. Et puis, beaucoup de personnes, même sur le plan international, il faut le dire, il y aurait certainement des arguments qui me rejoignent à moi pour dire que Déby, quelque part, a failli. Si, il faut voir, tout à l'heure, on parlait d'hommes politiques et d'hommes d'État. Il va vous dire que Déby, le départ de Déby aurait été une conséquence, ou alors aurait eu un impact plus encore grandissant si jamais il avait agi en homme d'État. Monsieur Déby n'a pas préparé ses institutions. On a eu à faire lecture de plusieurs déclarations qu'il avait faites préméditant sa mort. Il avait peut-être l'impression qu'un jour il devait partir. Naturellement, tout être humain est appelé à mourir dans ses cartes. Mais un homme de grande envergure comme celui-là devrait préparer ses institutions. Aujourd'hui, il y a l'Assemblée
qui est dissous, il y a la constitution qui est dissous, les militaires font maintenant des équipes, veulent du pouvoir, au lieu, ils devraient plutôt comprendre, on comprend que justement, ils vont agir en termes de sécurité, mais les militaires ne sont pas là pour construire la constitution, ou alors pour modifier la constitution. Il y a, je pense, il y a un pouvoir, il y a le législateur qui est là pour faire les lois, pour voter les lois et pour proposer les lois. Le militaire, il est là pour assurer la sécurité du pays au niveau national comme au niveau international, où il s'agit de la diplomatie et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on se rend compte que M. Déby a laissé un héritage qui n'est pas du tout vraiment à saluer, vu que ça aura vraiment un impact sur son pays d'abord, le Tchad, et également un impact sur l'Afrique, vu que, je viens de parler en entendre mes propos, que l'armée que Déby a construit depuis son avance au pouvoir a vraiment contribué à la sécurité africaine. Bassin du lac Tchad, les convergences avec les pays voisins dans la sécurité pour combattre contre Boko Haram, c'était vraiment à saluer. Seulement que son départ maintenant, avec tout le boira que les militaires sont en train de faire au Tchad aujourd'hui, les militaires, la sécurité va perdre sa crédibilité au niveau du Tchad, puisque le Tchad aujourd'hui est le point focal de notre argument. Ça va perdre sa crédibilité, et alors, le même résultat que produisait ces mêmes armées-là des années précédentes, il aura pu ce même résultat, et du coup, voilà autant de conséquences que ça porte sur l'Afrique. Vous voyez donc qu'il y a encore possibilité que le terrorisme accroisse plutôt au niveau du Tchad, et même en Afrique, sachant bien sûr que M. le Lion n'est plus. Maintenant, dans la forêt, les animaux peuvent danser comme ils veulent. D'accord. Alors, un téléspectateur, il s'agit de Bois Frédéric, qui nous écrit et qui dit « Le décès d'Idriss Déby au Tchad est un révélateur d'au moins trois choses. Il s'agit d'un coup d'état militaire. Le président Idriss Déby a été assassiné comme Kabila du Congo et remplacé par son fils. C'est ce qui explique la dissolution des institutions de la République, un phénomène qui s'observe seulement en cas de coup d'État. L'expression, ça c'est en deuxième point, l'expression de l'éternelle domination de la France dans les politiques éternelles, dans les politiques internes des États anciennement colonisés par elle et qui en réalité sont toujours colonisés. C'est ce qui explique la venue du gouvernement, c'est ce qui explique la venue du gouverneur Macron au Tchad, venu donner une feuille de route au nouveau préfet de la France au Tchad qui est Déby fils, c'est son point de vue. En troisième point, il dit la monarchisation du pouvoir politique en Afrique francophone de Bongo père à Bongo fils, de Déby père à Déby fils et bientôt de Bi. Ok, on y revient dans un très court instant. Alors, Lenny-Emilien à Tangana, on va le dire, est-ce que le Cameroun devrait s'inquiéter du décès d'Idriss Déby en ce qui concerne le processus de lutte contre le terrorisme, parce qu'il faut le rappeler, Idriss Déby était un acteur. Écoutez, en ce qui concerne cela aujourd'hui. Absolument pas. Ça, c'est un mythe qu'on vous construit et c'est un faux mythe, vous comprenez? Je suis de ceux qui pensent, et la science politique est claire là-dessus, il n'y a pas d'un homme indispensable dans un pays. Ouais. Autant il n'y a pas un homme indispensable dans un pays, autant dans la sous-région, il n'y en a pas. Donc, ce mythe qu'on veut nous présenter comme Idriss Déby est parti, la sécurité est menacée, le Sahel est en danger, ça c'est le mensonge construit par les Français. C'est un faux mythe et que je ne peux pas cautionner. Ce que vous devez savoir est que le président Déby, il a contribué à son niveau, il a apporté sa modeste contribution à l'édifice comme tout citoyen. Comme chacun de nous apporte. Lorsque vous achetez un bonbon, vous achetez du pain, mais vous contribuez d'une manière ou d'une autre au fonctionnement de l'État parce qu'on prélève la TVA à partir de votre consommation. Donc c'est le même travail que M. Déby a eu à faire dans son pays en apportant sa modeste contribution. Et il faut bien qu'en Afrique centrale, en Afrique francophone, que les uns et les autres sachent que les hommes passent, le gouvernement passe, l'État reste. Et les institutions sont censées rester. Lorsque vous avez un homme politique, dit-on homme d'État, qui passe et il ne laisse aucune institution derrière, vraiment c'est Christ. Ça relève du ridicule. Et c'est de ça que le Tchad va souffrir après M. Déby. Lorsqu'on nous dit que non, M. Déby, il allait au front, mais il n'allait pas au front seul, c'était une armée. Et le rôle de l'armée, c'est quoi? C'est la sécurité. La sécurité. Et il faut que l'armée reste dans ce cadre-là. Je suis surpris
que le militant du RDPC sur le plateau nous dit aujourd'hui que les Tchadiens ont décidé, mais de quel Tchadien parlez-vous? Nous avons affaire à un coup d'État militaire, d'une junte militaire, à un coup d'État, à une révolution à l'intérieur du palais qui s'est gérée avec la garde présidentielle. Ils ont géré ça là-bas entre eux en quelques minutes. Le peuple n'était même pas au courant. Le peuple a été informé par un communiqué avec des hommes armés devant, au niveau de la télé. Et le peuple a-t-il été concerté? La société civile a-t-elle été concertée? Les partis politiques, nous nous lisons. La plupart des partis politiques qui se sont prononcés pour dire nous sommes d'accord, nous sommes contre ce coup d'État. Et lorsque vous avez un président de l'Assemblée nationale qui n'a jamais eu l'ambition d'être président de l'Assemblée nationale, à qui on a donné un poste, comme on peut prendre la guitare et donner à un lézard. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cessez d'insulter le peuple tchadien en disant que le peuple a décidé que les militaires prennent le pouvoir. Dans aucun pays au monde, le peuple ne peut accepter que les militaires sortent des casernes pour venir gérer en lieu et place des civils. Il y a des mécanismes de transmission du pouvoir. Il y a une élection qui s'est déroulée. Il y a eu une proclamation des résultats. Il y a une constitution qui est claire, qui explique les mécanismes de dévolution du pouvoir. D'où vient le fait que des militaires viennent sur un plateau de télévision parler au nom du peuple? Ils ont reçu quelle légitimité? Cette légitimité de qui? Légitimité de qui? Ils parlent au nom de qui? Ils ne parlent qu'au nom de la famille Déby, qui a été touchée et qu'on veut remettre aux affaires grâce à l'accord de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis gêné du fait que le Cameroun s'aligne derrière la France pour cautionner un coup d'État militaire. Et pourtant, chez nous ici, on nous dit que nous sommes un pays démocratique, que le président de la République, M. Paul Biya, aimerait qu'on garde l'image de celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Mais est-ce que c'est de cette manière-là qu'on va parvenir à garder une image lorsque vous avez un président de la République qui part cautionner une junte militaire, un coup d'État militaire? Et moi j'ai peur. J'ai peur, parce que c'est révélateur d'une chose. Ça veut dire que la transition au Cameroun risque d'échapper à la Constitution. Elle risque d'être gérée par la Constitution de la garde présidentielle. À peine M. Déby et moi, on nous a montré la charte de la transition, qui est maintenant la Constitution du Tchad. Qu'est-ce qui nous dit que la charte de la junte militaire du Cameroun n'est pas déjà rédigée? Et que parce que c'est quand même préoccupant ce qui se passe au Tchad. C'est préoccupant. On a l'impression que tout était prémédité. À 24, on avait déjà une constitution militaire qu'on nous a montrée. Or, on aurait pu, dans les termes simples, avoir le président de l'Assemblée nationale pour gérer la transition et mettre sur pied un poste pour des questions sécuritaires, pour jouer ce rôle-là. Et puis, il y a quand même des généraux. Et lorsque vous nous dites, vous posez la question de l'héritage, mais entre nous, comment expliquez-vous que M. Déby, qui est de la tribu des Agawa, à lui seul, par ses femmes, il a laissé 5 généraux, 6 généraux. À lui seul, ses fils biologiques, à lui seul, occupait des postes clés. Mais vous parlez de quel héritage? C'était pas comme le champ de cacao de son père. Il s'agit quand même d'un État, d'un pays qui est multi-ethnique, qui a plusieurs tribus. Mais lorsque vous seul, dans votre propre maison, vous vous retrouvez avec 6 généraux, mais il faut qu'on s'interroge. Ça veut dire que le président Déby, d'une manière ou d'une autre, lui-même pensait déjà à une transition par les armes, à une transition par un coup d'État militaire pour imposer peut-être l'un de ses fils généraux. Mais malheureusement, il a été un mauvais chef bandit. Vous savez, il a été un mauvais acteur. Parce que normalement, l'acteur n'est pas censé mourir dans le film. C'est le chef bandit qui doit mourir, mais dans son propre film, il est devenu le chef bandit. Donc, et j'espère que ce qui se passe au Tchad, ça peut attirer l'attention des uns et des autres pour que ce pays ne tombe pas dans le chaos. Il faut vraiment qu'en Afrique centrale, en Afrique francophone, que les gens respectent leur propre constitution qu'ils ont taillée sur mesure. On ne leur a pas demandé de la tailler sur mesure. On n'en a pas demandé à certains de tailler le code électoral sur mesure. Mais du moment où il y a quand même une élection, du moment où il y a quand même une vacance, la vacance du pouvoir, qu'on respecte quand même cette constitution qu'on a décidé de se tailler sur mesure. C'est plus simple que ça.
D'accord, on va prendre une touche pause à la régie, une transition, et on revient juste derrière le décor pour le deuxième thème. En deuxième partie de cette émission, nous parlerons naturellement des mécanismes, des mécanismes qui entrent dans le processus de transition politique en Afrique. Mécanisme de transition politique en Afrique, on en parle ce matin dans le cadre du grand débat. Vous nous écoutez, vous nous suivez du côté de Ngaoundéré, on vous dit le bonjour. Vous nous suivez du côté de Bertoire, on vous dit le bonjour. Également du côté de Batouri, à l'est du Cameroun, on vous dit le bonjour. Vous êtes même, vous jouxtez nos bureaux du côté de Carrousel à Koundengui, on vous dit le bonjour. Bonjour, vous êtes des trésors. Alors, on parle de transition politique au Cameroun. Pas au Cameroun, mais en Afrique. Déjà, j'ai envie de savoir, que prévoit la constitution tchadienne? On a levé un pan tout à l'heure là-dessus, mais on est passé dessus. Que prévoit la constitution tchadienne par rapport à la vacance du président de la République? Que prévoyait? Parce qu'elle n'existe plus. Bon, ça, c'est vous qui dites. Hein. Il est dans le processus démocratique et je pense qu'il va s'appuyer là-dessus. Je voudrais quand même, parenthèse pour parenthèse, expliquer à... au président de l'UFDC. Du FDC, autant pour moi, ouais. Que deux grilles de lecture s'opèrent dans la réaction du président camerounais. Il est le président en exercice de la CEMAC. Est-ce qu'il est allé? Non, il n'y est pas allé. Est-ce qu'il a envoyé le premier ministre? Non. Il a envoyé le ministre délégué en charge de la défense. Rencontrer qui? Rencontrer le général, président de la junte militaire. On peut faire plusieurs grilles de lecture là-dessus. Donc, jusqu'ici, le Cameroun n'a ni cautionné, ni réprimandé quoi que ce soit. Le Cameroun est resté dans la non-ingérence des affaires internes d'un pays. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, quant à ce qui concerne la constitution au Tchad, bon, ok, nous apprenons que, évidemment, en cas de vacances, du chef de l'État, je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim. Cet intérim-là, bon, je ne connais pas la durée, mais il y a un intérim qui se fait et après on organise des élections. Est-ce que cette mesure de la Constitution a été respectée selon vous? Maintenant, elle n'a pas été respectée. Nous sommes tous d'accord, ce n'est pas une question, c'est un fait. Elle n'a pas été respectée. Maintenant, pourquoi elle n'a pas été respectée? C'est pour cela que j'invite les uns et les autres à être pondérés sur cette façon, sur nos propos. Parce que, évidemment, vous voyez, dans les pays où il y a eu coup d'État, finalement, effectivement, ceux qui doivent succéder, ou du moins qui doivent appliquer la dévolution, le passage constitutionnel du pouvoir, s'insurgent souvent contre les putschistes. Ah, donc vous convergez sur l'idée selon laquelle il y aurait eu coup d'État. Non, j'ai dit généralement, dans des pays où il y a eu coup d'État, les putschistes sont souvent contre les constitutionnalistes. C'est-à-dire que ceux qui doivent, évidemment, faire... pérenniser le pouvoir constitutionnel. Mais dans le cas du Tchad, ce n'est pas le cas. Contrairement à ceux qui veulent faire passer le président de l'Assemblée nationale comme un clown, je crois qu'on doit se réserver d'un certain nombre de propos parce qu'on ne sait pas les motivations qui l'ont amené à converger vers un consensus autour du conseil militaire de transition. Ok, ce n'est pas un instrument politique. C'est un instrument purement opérationnel et stratégique qui s'est donné 18 mois pour mettre un terme à l'instabilité qui est en train de planer sur le Tchad et de remettre, de permettre que la constitution continue à fonctionner. Donc nous respectons cela, nous ne voulons pas nous immiscer dans les affaires internes du Tchad, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de les encourager à aller vers la paix et la stabilité afin que le Tchad continue à rester stable et bien sûr démocratique. Donc c'est de ça dont nous parlons ici. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame des choses, qu'on essaie de tirer à gauche et à droite, parce que, vous savez, nous sommes des pays frères.
a dit que ce qui se dit ici se comprend là-bas. Et ça peut participer à créer l'adrénaline, à faire monter l'adrénaline plutôt que d'apaiser les tensions et permettre que tous fassent chorus autour d'un ennemi commun qui est à leur frontière. Non, je crois que c'est cela que j'invite les uns et les autres à converger, pas à passer le Tchad au pilori et ainsi de suite. D'accord. Alors, Hassan Fouapon, c'est vrai, Simon Métiega a évoqué une grille de lecture qui permet d'apaiser, mais les faits sont là. Et on va se focaliser sur les faits. À qui la faute finalement? Est-ce aux partenaires du Tchad qui ont laissé faire le conseil militaire au lieu de permettre naturellement, au lieu de s'abreuver à la loi fondamentale de la Constitution? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la manière dont vous arrivez au pouvoir, et surtout la manière dont vous gérez le pouvoir, prépare même votre départ. Absolument. Quand vous arrivez au pouvoir par un coup de force, et qu'au lieu de vous battre pour légitimer votre position au pouvoir, vous faites tout pour plutôt devenir un homme fort qui repose sur des institutions véritablement faibles. Il est clair que votre départ ne peut arriver que par la manière dont vous êtes parti. Donc à qui la faute en réalité? La faute premièrement, c'est à celui qui aujourd'hui de regretter mémoire. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'en tant que président, vous partez comme vous êtes arrivé. Fondamentalement, surtout si vous ne faites pas, si vous ne vous efforcez pas à faire en sorte que votre pouvoir soit légitimé. Et c'est la raison pour laquelle on peut bien, dans une certaine situation, dans un cas de force majeure, arriver au pouvoir par un coup d'État, par un coup de force. Parce que cela peut s'imposer comme un moyen de libérer le peuple d'une oppression, d'un régime qui opprime véritablement. Mais lorsque vous êtes arrivé, ce qu'il faut donc, c'est de vous battre pour légitimer votre position. Et pourquoi même pas? Pour laisser la place à un pouvoir beaucoup plus légitime. Or, lorsque vous arrivez par un coup de force et que vous faites tout pour vous pérenniser à ce poste, mais soyez sûr qu'il y a bien là des gens qui, peut-être parmi vous, ou qui, étant des adhérents de celui que vous avez renversé, préparent quelque part une milice pour vous renverser, vous également. Et comme vous ne serez jamais le plus fort éternellement, il y aura toujours un plus fort que vous pour vous renverser. Donc, de mon point de vue, le régime de M. Idriss Déby a porté en lui-même les germes de sa déstabilisation. Et c'est pourquoi je suis un peu étonné de l'argumentaire de M. Metiengue. Lorsqu'il veut nous faire comprendre que d'un, il faut reconnaître que le président Déby a travaillé sur le plan sécuritaire, et que deux, ce qui a exigé que les militaires s'emparent du pouvoir, ce sont les raisons sécuritaires. Mais comment pouvez-vous dire de quelqu'un qui aura laissé comme héritage la sécurité d'un État? Comment pouvez-vous dire qu'il a laissé comme héritage la sécurité d'un État alors qu'il part même dans l'insécurité et que le Tchad aujourd'hui ne sait même plus à quel sens se vouer sur le plan sécuritaire? Le Tchad va bientôt peut-être devenir un no man's land simplement parce que le président Déby, qui s'est battu pendant plusieurs années pour la sécurité, n'a même pas pu véritablement apporter cette sécurité-là au Tchad. Il faut le dire, et cela se voit aujourd'hui. Maintenant, il nous dit que le conseil militaire s'est emparé du pouvoir parce qu'il y avait des raisons sécuritaires. Il faut même d'ailleurs dire que si ce sont les raisons sécuritaires qui expliquent que ce conseil soit au pouvoir, de mon point de vue, il ne devrait pas y être. Parce que lorsque les militaires sont occupés à réfléchir sur des questions politiques, sur comment est-ce qu'il faut gérer le quotidien des citoyens, ils ne se consacrent même plus véritablement à la sécurité du pays. Et donc, dans une telle situation, il faut même que les militaires se retirent carrément du pouvoir, qu'ils collaborent avec lui pour mieux se consacrer à la sécurité. On ne peut donc pas expliquer le fait que ce conseil soit aujourd'hui emparé du pouvoir par les raisons sécuritaires. Donc, premièrement, le président Idriss Déby Itno a lui-même créé, de mon point de vue, les germes de son départ. Maintenant, il y a bien sûr les partenaires. Je ne suis pas totalement d'accord. Lorsque, vous savez, nous devons avancer vers ce qu'on appelle une Afrique intégrée. Je ne suis pas totalement d'accord lorsque les gens continuent de rester dans leur coin sous prétexte qu'ils sont des États indépendants et qu'il n'y a pas le droit et qu'il y a le droit de non-ingérence. Parce que vous savez, le Tchad, quand même, c'est un pays frère. C'est un pays ami. Et quoi qu'on dise, ce qui se passe au Tchad a un impact sur le Cameroun. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a déjà de nombreux déplacés. Si nous restons muets sous prétexte que nous n'avons rien à dire, peut-être de manière officielle, nous avons le droit de ne rien dire, mais de manière officieuse, le Cameroun a le devoir, a l'obligation de mener des négociations pour que le Tchad soit stable.
Puisque si le Tchad est instable et que la RCA est déjà instable, vous savez, ça fait de nombreux fronts d'instabilité au Cameroun. Et cela n'est pas pour notre bonheur. Donc, de mon point de vue, nous n'avons aucun intérêt à ne pas travailler pour que le Tchad lui-même soit stable. Nous y travaillons, mais nous ne nous mêlons pas de leurs problèmes internes. Mais comment vous y travaillez sans vous mêler de leurs problèmes internes? C'est paradoxal. Cameroun, c'est pas paradoxal. Non, c'est paradoxal. Le président du Cameroun a été clair dans son message. Le fait d'écrire aux putschistes de la jungle militaire était clair. Que je cautionne, je vous soutiens. Donc, en tant que président de la CEMAC, la CEMAC vous soutient. Non, mais c'est clair. Sur le plan diplomatique, ça dit tout. Parce que, ça, c'est votre point de vue. Vous assumez les faits sont là. Je ne peux pas. Vous oubliez une chose. C'est que. A écrit. Idriss Déby. Pas la gêne. Je dis. Pas le conseil. Non, non, c'est écrit. Regardez le communiqué. C'est pas mentionné. Regardez la lettre de condoléances. C'est bel et bien mentionné à monsieur le président de. À monsieur le président. Du comité du conseil militaire. Est-ce que ça veut dire que dans son écrit en conseil militaire, ça veut dire qu'on dit forcément que c'est qui veut dire. Mais ça veut dire que c'est lui que vous reconnaissez. Non, pourquoi? Pour rester neutre, on aurait pu écrire au peuple. La majorité des présidents. Qu'est-ce qui a empêché? La majorité des présidents. Qu'est-ce qui a empêché, par exemple? Qu'est-ce qui a empêché au président d'envoyer le premier ministre? La majorité des présidents. C'est un poste constitutionnel. Au départ, vous nous avez vanté la présence du ministre délégué. Bien sûr, il a fallu que je vous ramène à l'ordre. Il a fallu que je vous ramène dans le bon sens. Je vous ramène dans le bon sens en vous disant que le vrai ministre de la Défense était absent aux obsèques du président tchadien. Pour la simple raison que le ministre délégué ne peut même pas signer une nomination d'un commandant de brigade. C'est lui qui signe toutes ces nominations au ministère de la Défense. C'est le président de la République, donc c'est le véritable ministre de la Défense. Donc il a donc envoyé le ministre délégué. Comme il aurait pu prendre le ministre délégué chargé des marchés publics, le ministre délégué chargé du contrôle supérieur de l'État. C'est ce qui a été fait. D'accord. Donc il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et je peux donc peut-être être dans te rejoindre dans le sens que il n'a pas choisi d'envoyer le premier ministre pour telle raison, mais. Soyons d'accord sur une chose, le fait d'avoir écrit au président de la transition, à la junte militaire, était déjà un indicateur pour dire au niveau de la CEMAC, écoutez, monsieur Biyaton, monsieur Idriss Déby Thon, donc petit-fils de Déby, nous avons décidé que c'est toi qui vas entrer dans notre... qui va entrer dans notre association des chefs d'État. Et moi, je vous dis, ne soyez pas surpris. Il y a des propos que je ne peux pas vous laisser. Ne soyez pas surpris. Je ne peux pas vous laisser dire sur le plateau. La CEMAC, c'est une association des chefs d'État qui ne s'intéresse pas trop aux questions de démocratie. Et je voudrais vous dire, le fils de Déby qui prend aujourd'hui le pouvoir, au nom de ces questions de sécurité, va se retrouver en train de faire 18 ans au pouvoir. 26 ans au pouvoir. Parce qu'à tout moment, on va aller toucher un petit bouton pour des questions d'instabilité dans telle tribu, et puis on pourra dire que non, les gens ne sont pas encore inscrits, et il y a telle chose qui ne va pas, et par conséquent, on va rester là pendant 10 ans, 30, 35 ans, avec le général étant là comme président de transition. Justement, vous gardez la parole. Au vu de ce qui se passe au Tchad, est-ce que vous avez le sentiment que les 18 mois qui ont été accordés pratiquement au conseil militaire pour établir ce qu'on pourrait appeler l'ordre du côté du Tchad, ces 18 mois seront respectés. Sinon, quel est le rôle de la société civile par rapport à tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'a accordé 18 mois à la junte militaire. Ils se sont auto-proclamés. Ils se sont donnés. Ils avaient déjà leur constitution rédigée depuis. Puis c'est en 24 ans, on nous a renvoyé ça sur les réseaux sociaux, que voici comment le pays va se gérer. Le président est là, le vice-président est là, il y aura un conseil de ceci. Moi, j'ai écouté des opposants tchadiens qui vous disent, mais non, laissez la constitution. On ne compte pas d'accord avec cette constitution, mais laissez-la quand même. Et puis, pour des raisons de sécurité, on peut penser à un poste de vice-président en faisant passer une loi au Parlement pour qu'on ait un vice-président en charge uniquement des questions sécurité, c'est le volet sécuritaire qui dérange. Mais tel que les choses sont parties, je vous assure que sur le prétexte de la sécurité, on va attendre 10 ans
pour que les élections soient organisées au Tchad. Parce qu'à tout moment, on va aller, vous savez, dès que la France se met dans une histoire, ça devient très compliqué. Donc, on va prendre une tribu qui se pose aux Akawa, on va aller mettre, on va donner quelques petits bonbons là-bas, quelques sacs de riz, et puis ils vont se soulever. On va vous dire, mais non, pour l'instant, la priorité c'est quoi? C'est la sécurité. Il faut d'abord la sécurité, les gens ne sont pas inscrits, et par conséquent, on ne pourra pas organiser les élections. C'est le même scénario qu'on a vu lorsque Kabila fils a pris le pouvoir. Et après, il s'est retrouvé en train de faire 18 ans au pouvoir. Quand Yadema a pris le pouvoir, on nous a raconté les mêmes choses que non. On veut d'abord organiser ceci et puis on va remettre le pouvoir aux civils. Donc, il ne faut pas mélanger les expériences. Ce qui s'est passé au Mali ne va pas être la même chose. Donc, en Afrique aujourd'hui, on se dit que la garde présidentielle aujourd'hui est en train de devenir l'acteur principal du processus de transition. C'est-à-dire que ça se passe au palais. Puisque tout le monde, on peut faire venir tout le monde au palais et on te tend l'arme. On te dit, signe ici que moi, président de l'Assemblée nationale, je ne veux pas gérer la transition. Moi, président du Sénat, vraiment, l'affaire là, le militaire prenait. Ou bien, donner au fils de tel. Et ça se gère au palais. Mais puisque et ils sont mieux équipés, ils ont les armes et autres. Mais vous n'allez pas demander à un dernier attendant de se placer dans la rue pour dire que je suis contre. Sinon, une balle va me prendre. Donc, vous comprenez que ça devient un peu très difficile. Dans ce qui se passe dans nos différents pays. Mais la France est une honte. Parce que vous ne pouvez pas être un pays donné de leçons en termes de valeurs, que la France des valeurs. Ailleurs, vous partez tenir des discours différents. Mais dans certains pays, comme les pays africains, dans votre précaré, vous préférez choisir vos intérêts que de défendre les valeurs. C'est vraiment préoccupant. Et la présence de moi, de Macron, m'a beaucoup dérangé parce que, un, je le voyais comme étant jeune, un chef d'État jeune, mais je me rends compte qu'il est même plus compliqué que De Gaulle. Il est même devenu plus que De Gaulle. Parce que De Gaulle avait les intérêts de la France, était intransigeant. Mais lorsqu'on voit ce que Macron est en train de faire, on se pose la question, où est-ce que la France va? Est-ce qu'elle va continuer à croire que l'Afrique centrale, son précaré, c'est son réservoir de matières premières, et que lorsque ça ne va pas, on chasse quelqu'un, on cautionne un coup d'état militaire? Il faut vraiment que ces partis changent. Et je crois que un président de la République comme le nôtre que nous avons, qui a eu à subir des pressions et qui n'a pas du tout laissé un pays le menacer, je pense que son rôle aujourd'hui, c'est de nous construire un pays en nous laissant des institutions fortes, en prévoyant une transition qui ne va pas nous entraîner vers une transition gérée par la garde présidentielle. D'accord. Alors, Joseph Chedjou, je viens à vous dans un très court instant. Hassan Fouapon, je voudrais savoir comment faire pour résoudre le problème de transition dans nos États africains aujourd'hui? Parce que ça pose problème, ça devient un problème très récurrent chez beaucoup d'États africains aujourd'hui, lorsqu'un chef d'État meurt au pouvoir ou alors lorsqu'il y a un processus électoral qui est en cours et que le président sortant ne gagne pas l'élection. On a toujours besoin d'une transition et ça crée problème. Comment on résout ce problème-là? Déjà, on ne devrait pas assister à l'instauration partout des comités de transition. Mmh. Parce que une transition politique, une transition du pouvoir doit être prévue par la Constitution. Il faut donc que les États africains d'abord commencent par élaborer des constitutions cohérentes auxquelles eux-mêmes croient. Parce que le premier problème, c'est que nous élaborons des constitutions auxquelles nous ne croyons même pas. Parce que nos constitutions sont des faire-valoir. En les rédigeant et en les faisant voter, nous sommes nous-mêmes convaincus qu'on ne va pas les respecter. Ce n'est pas nous qui rédigeons, ce sont ceux qui sont aux affaires, qui rédigent, qui se taillent leur constitution. Curieusement, ils ne la respectent pas. C'est un nous ironique. Ceux qui m'écoutent le savent. C'est un nous ironique. C'est-à-dire que des gens rédigent des constitutions auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il faut être cohérent envers soi-même. Soit on est un pays de dictature et on se reconnaît comme tel. Et on élabore une transition qui va dans le sens de la dictature. Soit on est une monarchie, soit on est une démocratie. Parce qu'en démocratie, on sait quels sont les mécanismes de dévolution de pouvoir. Donc il faut commencer par là. Maintenant, le deuxième problème, c'est qu'il faut être capable de respecter la constitution. La liberté, le respect de la loi qu'on s'est fixée est liberté. Quand vous sortez de la loi fixée, vous n'êtes plus dans la liberté. Or, le problème, c'est que, comme on dit souvent au quartier, il y a des gens qui prennent goût au pouvoir. Et lorsqu'ils arrivent, même ceux qui avaient prévu ne faire que 5 ans, 10 ans, se retrouvent en train de faire 20, 30 ans. Et parfois, ce qui est mauvais, c'est à coup de modification de la Constitution. Et à un certain moment, vous accumulez tellement de défaillances, vous accumulez tellement de défauts,
qu'il ne vous est plus possible de partir. Vous êtes donc obligé de tout faire pour y demeurer et de ne partir qu'après la mort. Parce que vous savez qu'après votre départ, il y a risque que vous soyez poursuivi pour un ensemble de choses parce que vous allez nécessairement perdre l'immunité. C'est peut-être la raison pour laquelle certains se battent pour s'éterniser au pouvoir. Mais en réalité, c'est un problème qu'il faut résoudre en Afrique. Parce qu'on se rend compte que cela continue, que cela commence à perdurer, surtout en Afrique centrale. Lorsque ce n'est pas l'individu qui s'éternise, c'est le fils qui va prendre le pouvoir, ce sont les coups d'État qui vont le faire partie. Et donc, véritablement, la transition politique en Afrique est un véritable problème. Puisque ceux qui s'éternisent, même pour la plupart du temps, le font sans respecter la Constitution. Si au moins on avait des constitutions qui, dès le départ, disent que vous avez le droit de rester au pouvoir ad vitam aeternam, tant que le peuple vous élit, autant pour moi, cela ne poserait pas problème. Mais quand il y a l'limitation des mandats et qu'on fait sauter le verrou de la limitation, cela pose véritablement problème en ce qui concerne le respect même de la loi fondamentale, qui devrait d'abord être incarnée par celui qui est considéré comme une institution, c'est-à-dire le président de la République, le chef de l'État. Mais quand cela n'est pas fait, vous comprenez donc qu'il peut se créer dans le peuple, au sein du peuple, des tensions qui plus tard aboutissent toujours à ce qu'on voit. C'est pourquoi dans la plupart des cas, la longévité au pouvoir entraîne toujours l'insécurité après le départ de celui qui a duré. Alors Joseph Sejou, pourquoi ne pas s'inspirer? L'Afrique est partenaire de nombreuses puissances, de nombreux États comme la France, comme la Russie, comme les États-Unis et d'Amérique. Pourquoi ne pas s'inspirer de ces constitutions, des pays qui ont quand même une démocratie assez avancée pour bâtir une constitution solide dans nos États africains? Parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas être éternel au pouvoir. On ne peut pas faire plus de deux mandats aux États-Unis. Il est clair que si Trump était un Africain, il serait encore au pouvoir. Ah, d'accord. Comment résoudre ce problème? Vous savez, quand on était encore à l'école, bon, depuis un bon bout de temps, on avait coutume d'être des bons tricheurs. Mais seulement que parfois on trichait pour le voisin, mais on ne recopiait pas ce que le voisin a copié, après on finit par échouer. De toute façon, pour répondre à votre question, on voit des exemples partout ailleurs, à l'Occident, en Amérique, en Asie et tout ce qui va avec, mais on n'arrive pas à se servir du bon exemple. C'est-à-dire, on est content d'être chef d'État, on est content d'être à la tête d'un pays, mais on ne parvient pas à faire ce qui doit être fait dans les normes. Vous avez pris l'exemple des États-Unis aujourd'hui. Mon grand frère vient de dire, si Trump avait été africain, il serait resté jusqu'aujourd'hui. Ça, je n'en doute pas. Mais pourquoi, si c'est chez nous en Afrique, on devait toujours être comme des mal vus? C'est un problème. Pourquoi, si aujourd'hui, on ne parvient pas à faire des transitions normales, des transitions, nous faisons des constitutions, nous faisons des lois, mais nous n'avons pas respecté. Et beaucoup de chefs d'État africains aujourd'hui font des choses tellement mal qu'ils ont peur de partir au risque d'être poursuivis ou d'être attaqués après. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas parce qu'ils aiment beaucoup le pouvoir, pour la plupart. Ce n'est pas parce qu'ils sont assoiffés du pouvoir, mais c'est la simple raison qu'ils ont tellement fait de mauvaises choses. Quand ils battent campagne pour être élu président de la République, ils vous disent, ils ont des belles paroles, quelqu'un a parlé, bon, je ne veux pas dire quelqu'un, le chef de l'État de la République, Camounès, a parlé une fois de l'émergence 2035, pays des grandes réalisations, pays des grandes démonstrations et tout ce qui va avec. Chaque année, il y a des nouveaux concepts qui naissent. Il n'y a pas encore de pays de grandes démonstrations. Hein. Bon, ça, c'est ce que moi, c'est l'exemple que je vais prendre. Qu'il y a eu plusieurs concepts qui sont nés. Mais jusqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des concepts qui sont nés depuis 1982 qui n'ont pas encore été réalisés. Regardez par exemple l'autoroute de la Yaoundé. Nous sommes en commune d'Anou aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut encore parler moins du projet de Lampanga? Autant de choses. C'est une façon de dire quoi? Qu'on devrait, au-delà d'être copté par les Occidentaux, au-delà de voir un grand Macron s'asseoir au Tchad, il faudrait également qu'on voit comment Macron fonctionne en France. En France, au moins, on peut parler des transitions, même si nous savons que la France est toujours un gros pour l'Afrique en termes de gestion, en termes d'exploitation des ressources africaines. Mais il faut aussi comprendre qu'au niveau de la diplomatie, il y a quand même un exemple à suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais beaucoup d'Africains, il y a aussi un problème d'égoïsme qui se pose en Afrique. Beaucoup n'aiment pas apprendre. Ce n'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on s'est dit qu'on ne va pas apprendre de l'autre. C'est aussi un exemple.
Même mon père nous dit souvent que vous êtes mes enfants. Quand je fais ma vie, moi, que j'ai mal fait, je peux changer parce qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas connaître en tant qu'être humain. Et c'est ça. La raison pour laquelle beaucoup, on demande à tout le monde de respecter les institutions et les personnes qui les incarnent. Si nous avons fait des lois, nous avons créé un parlement, nous avons créé une assemblée nationale, nous avons créé un sénat, c'est parce que nous savons que ces institutions-là font des lois et que nous devons les respecter même si on est chef d'État. Pas parce qu'on est chef d'État qu'on est au-dessus de la loi. C'est impossible. Si la loi voudrait que, bon, après 7 ans de pouvoir, après 7 ans, après un mandat, après 2 mandats, on dégage le plancher, oui, il faudrait qu'on respecte. Il ne faudrait pas qu'on attende, quand on est après de 2 ans de la fin du deuxième mandat, on dit qu'on va modifier la constitution parce qu'il faudrait qu'on s'éteigne au pouvoir lorsqu'on se rend compte que les projets pour lesquels nous venions au pouvoir n'ont pas été réalisés et on craint de partir de là avec des fouets aux fesses par le peuple. Il faudrait justement qu'on modifie la constitution pour rester au pouvoir en attendant le jour de la mort, qu'on mette le grand façade. Et ce qui est vrai, de toute façon, on va mourir et personne ne pourra plus nous suivre. Mais seulement que quand on meurt, quel héritage est-ce qu'on laisse? On va laisser peut-être le fils qui va rester subir ce que le père a mal fait et après le fils sera tiré dessus et on accusera le père et le fils désormais. Et pourtant, on pourrait mieux plus faire. Vous savez, nous avons des partis politiques aujourd'hui qui s'expriment et qui ont la volonté de travailler. Il y a des partis politiques aujourd'hui qui ont la volonté de faire des bonnes choses. Mais qui ne sont pas aussi des modèles en termes d'alternance. Qui ne sont pas des modèles. Non, là c'est clair. Peut-être c'est peut-être. J'ai dit des. Je n'ai pas dit tous les partis politiques. Et l'alternance, c'est pas au niveau. J'ai dit des. Au niveau de l'État, naturellement, aujourd'hui, il faut la part dont je représente ici aujourd'hui prêche pour un témoignage patriotique et républicain. Vous voyez, c'est-à-dire, je ne sais pas si on l'arrache. Pour un témoignage patriotique et républicain. C'est ce qui fait laisser à comprendre que même les chefs d'État, ce n'est pas parce que les chefs d'État qu'on ne respecte pas la République, qu'on n'est pas patriote. Laissons. Mettons à côté le népotisme, mettons à côté la fraternité. Les partis politiques devraient d'abord respecter les statuts, parce qu'il y a aussi... C'est justement, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, parce que... Vous venez de mettre le doigt là. Aujourd'hui, justement, je dois apporter une dynamique nouvelle en ce qui concerne le Je vais vous mettre le doigt là, ça fait mal. Vous avez très bien vu que le président a dit, attention, on ne parle pas de l'alternance. Dans un parti, mais plutôt au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Mais dans le dictionnaire. Non, écoutez, je voudrais dire qu'on ne peut pas aller d'alternance au sommet d'un parti politique. Donc, si dans votre parti politique, il n'y a aucun mécanisme, on comprend très bien. Mais évidemment, renseignez-vous très bien, vous allez vous rendre compte que tout est clair. Je voudrais dire ceci, revenant sur le sujet, je voudrais dire que les lois sont dynamiques. Mmh. La constitution est dynamique. Elle s'adapte au temps. C'est-à-dire qu'elle épouse le temps. Et donc, ceux qui pensent que... Je mets quiconque à défi de me montrer une constitution dans le monde qui n'a jamais subi des modifications. C'est celle des États-Unis. Est-ce que depuis 400 ans aujourd'hui... Il ne faut pas la modifier, seulement pour la modifier. Depuis 400 ans aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas subi de modification constitutionnelle. Peu importe quand elle a été modifiée, elle est modifiable, elle est modifiable également en fonction du contexte et en fonction de ce que les Américains eux-mêmes veulent. Là, c'est aux États-Unis, on parle de l'Afrique. L'Afrique, est-ce qu'il y a des conditions qui peuvent permettre à un pays de mettre la constitution en marche? Ça, je ne vais pas répondre à cette question, mais je juge qu'il faut que les uns et les autres posent des questions, non pas pour, c'est-à-dire que pour faire ce qu'on appelle, pour faire de l'égoïsme en disant non, je pense comme ça, mais regarder, mettre l'intérêt d'un État, d'assurer d'un État, mettre l'intérêt d'un peuple au cœur des préoccupations, ça nous permet d'avoir une visibilité claire. Je te dis, je prends le cas du Tchad. Le Tchad, c'est un pays qui est à cheval entre le Sahel, le Maghreb et le bassin du lac Tchad. C'est des foyers de tension. Vous savez très bien que le G5 Sahel n'arrive pas à juguler la menace djihadiste qui pèse tous les jours sur ces cinq pays. Vous savez très bien que
La crise sécuritaire qui naît vient de la Libye. La Libye qui est un non-État aujourd'hui. Mais qui sont à l'origine de ça? Et donc, moi je ne suis pas dans la logique de l'origine. Je suis juste en train de dire que quand nous faisons une analyse, et donc, même si au Cameroun on ne cautionne pas ça, il faut noter une chose, quoi, c'est que les conditions qui ont amené l'État tchadien, je dis bien l'État tchadien, parce que le président de l'Assemblée nationale, le successeur constitutionnel, a cautionné cela. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant qu'il a cautionné cela, si vous avez nous disons une chose, c'est parce que... Vous faites comment? Vous n'étiez pas là, justement. Ce sont des supposants, nous n'étions pas là. Mais en réalité, voilà un certain nombre de choses. Parce que, et c'est pour ça que nous refusons de porter des critiques. Mais revenons au Cameroun et revenons dans d'autres pays. J'ai eu l'impression ici que les hommes politiques ici qui parlent d'une seule chose, alternance. C'est la question qui était posée, monsieur. Alternance. Parle-t-il du développement? Non, il n'en parle pas. Il vous parle d'alternance. Parce qu'ils font une fixation sur la fonction présidentielle. Parce que s'il y a alternance, alors évidemment, je vous prends le cas d'un pays, de la plus grosse économie d'Europe, l'Allemagne. L'Allemagne, pendant une vingtaine d'années, a connu une chancelière. C'est le respect de la Constitution. Hein? Est-ce que pour autant, la stabilité n'a pas eu de vertu? Je vous rappelle que l'Allemagne est la première économie d'Europe. Un pays stable. C'est ça dont il est question. Dans le respect de la Constitution. Et donc, comprenons-nous. Quels sont les mécanismes de modification? La Constitution même a prévu les mécanismes de sa modification. Si un pays utilise les mêmes mécanismes pour modifier la Constitution, est-ce une monarchie? Alors, disons-nous une chose. C'est un mauvais exemple. Je donne des exemples pour que ceux qui nous suivent comprennent bien. Alors, nous disons ceci. Disons une chose. C'est qu'aujourd'hui, nous mettons en place des institutions. Parce que pour le cas du Cameroun, vous savez très bien que c'est un pays, toutes ces institutions sont stables et fonctionnent normalement. Et d'ailleurs, j'ai suivi un ministre de la Justice que je ne vais pas citer ici parce que, évidemment, féliciter le Cameroun. Parce que pendant longtemps, on a pris le Cameroun comme étant, mais comprendre que le président de la République, c'est-à-dire que sa durée au pouvoir a été favorable à construire et à bâtir un pays stable et solide avec des institutions fortes. Et maintenant donc, pour le cas du Tchad, il faut d'abord comprendre les motivations qui ont amené à un état exceptionnel. Ça, c'est un état d'exception. C'est-à-dire où on met la condition de côté et où on met un mécanisme transitoire pour lutter contre un phénomène. Mais ce que nous devons dire ici, c'est que le Tchad ne doit pas y rester. C'est-à-dire que si les pays de la sous-région doivent travailler dans le sens de permettre que cette phase transitoire se passe vite et que le Tchad revient dans le train-train de la démocratie. C'est cela. Vous êtes d'accord, il n'y a pas de mouillé sec. Hein. Donc quand on est couché, on ne peut plus tomber. Donc, le Tchad est ancré dans un cycle infernal où on va se retrouver peut-être avec 10, 15, 20 ans au pouvoir parce que les gens vont nous faire prévaloir le principe de la sécurité. Mais il faut comprendre qu'un État est une institution. Et l'un des principes qui gouverne une institution, c'est le principe de la continuité. On ne peut pas dire que parce que tel est là, dès qu'il part, l'État va mourir, l'institution va mourir. C'est vraiment, il faut qu'on cesse De mettre ça dans la tête des citoyens africains. Personne n'est si fort que dès qu'il s'en va, l'État va disparaître. Les hommes passent, les institutions restent. Et pour le respect des mécanismes de transition, il y a une question qui est fondamentale. Qui est censé reconnaître, constater la vacance? Est-ce que c'est les militaires? Nous avons affaire là à un coup d'État. Parce que nous avons une constitution qui est claire qu'en cas de vacance, elle vous trace l'institution qui est censée constater la vacance. C'est-à-dire que le président du Sénat, ou bien le président, comme pour le cas du Tchad, le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour suprême qui constate la vacance. Mais pour le cas du Tchad, nous avons eu quelques généraux qui sont venus parler à la télé. C'est eux qui ont constaté la vacance et se sont autoproclamés. Et là, on n'a plus rien à voir avec la démocratie. On n'a plus rien à voir avec un État normal. On n'a plus rien à voir avec un bilan
que M. Déby aurait laissé. Et je voudrais préciser à mon ami qui est du RDPC que M. Déby, avant sa mort, il était félicité hein, qu'il a des institutions stables. Il a même eu des prix. Je crois que dans le reportage que M. Déby a eu un prix par rapport à la mise en place des institutions stables. Donc c'est ce qu'on disait aussi en faute. On félicitait au faute. C'est pour ça que la longévité au pouvoir est très suicidaire pour un pays. Lorsque vous ne préparez pas les institutions sérieuses et vous ne préparez pas votre environnement à respecter la constitution. Parce que parfois, celui qui ose affaire, lorsqu'il s'en va de façon impréparée, peut vouloir que les choses soient respectées. Mais lorsque, du moment où au niveau du palais, il y a la garde présidentielle qui décide de faire autrement pour qu'on mette tel et que tel ne perde pas ses intérêts et qu'on continue à gérer les milliards du pays comme on veut, comme le champ de cacao de notre personnel, alors là, ça devient très compliqué. Donc, pour que les transitions se gèrent mieux en Afrique, le préalable, c'est quoi? Le respect de la Constitution. Et la Constitution est claire sur l'institution qui doit constater la vacance. Les militaires ne doivent pas constater la vacance d'un pouvoir. Nous avons des institutions prévues pour ça. Et après, dès que la vacance est constatée, nous savons que c'est elle qui doit prendre le pouvoir de transition. Et pendant la transition, voici ce qu'il peut faire. Il ne peut pas modifier le gouvernement. Il ne peut pas modifier la constitution. Il ne peut pas faire ceci. Il reste dans ce cadre-là, son pouvoir est encadré. Ça permet qu'après les élections, qui doivent être organisées de manière transparente, ça permet que le futur leader qui vient ait avec lui l'appui de tout un peuple, que le peuple soit soudé derrière lui. Mais en Afrique centrale, en Afrique francophone, ce n'est pas le cas. Les gens s'arrangent à mettre les impopulaires, les gens qui ont la légitimité de la France aux affaires, alors que le peuple n'a pas marqué son accord. Et c'est pour ça que les coups d'État sont faciles. Lorsque vous n'avez pas un peuple qui est soudé derrière vous, le coup d'État devient très facile à opérer. Parce que si le Tchad avait été préparé, le peuple tchadien avait été préparé à une réelle démocratie, ils seraient descendus dans la rue. Mais ils ont été préparés toujours à la dictature, au respect des armes. Il y a quelqu'un qui disait, je crois Victor Hugo, qui disait « Aucune armée n'est aussi puissante qu'une idée dont l'heure est venue. » Donc, lorsque le peuple est préparé à l'idée de démocratie, au respect des institutions, et que quelques individus, futurs des généraux, viennent se pavaner devant un plateau de télévision pour constater la vacance et s'autoproclamer, mais automatiquement, les gens seraient descendus dans la rue pour être contre. Mais comme on sait que le président Déby, voilà même une contre-vérité qu'il faut relever. Au lieu de prendre l'argent du pays pour développer le pays, des infrastructures, il a pris l'essentiel du budget du pays pour équiper son armement, pour qu'on fasse de lui un mythe après. Mais allez au Tchad, allez voir les communes, allez voir les villages, qu'est-ce que ces gens ont? Mais est-ce que quel est leur train de vie? Mais lorsque vous prenez des centaines de milliards et vous êtes incapable seulement de constater 15% du budget d'un pays pour des questions de santé, il n'y a pas d'assurance maladie, les gens ne mangent pas à leur faim. Et vous dites que vous avez l'armement pour les questions sécuritaires, c'est quoi l'impact? Quand on intègre le concept de la sécurité humaine. Permettez que je vous relance. Est-ce que justement le volet sécurité n'était pas son argument de campagne? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il avait le plus à vendre au peuple tchadien? Mais je vais vous dire, je vais vous ramener au Cameroun. Avant l'avènement de la crise anglophone et de Boko Haram, mais votre argument c'était quoi? Que Paul Biya ait la paix. Que Paul Biya ait la paix. Et moi je me rappelle, pendant certaines élections dans les villages, les gens nous disaient que nous on vote Paul Biya pour la paix. Sur nous en partant, on dit mbouaï, mbouaï, mbouaï. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était un mensonge. Ah bon? Un mensonge. Parce que la paix, ce n'est pas l'absence. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas l'absence du bruit des armes. Mais président, vous philosophez. La paix, c'est quoi? C'est que je mange bien, je peux envoyer mes enfants à l'école, je peux avoir l'assurance maladie, mais c'est ça, c'est la paix. Et Jürgen Morgan, il est allé plus loin en parlant du concept de la paix positive. Quand on parle de la sécurité humaine, mais dans nos pays ici,
On vous fait croire que parce que on voit les voitures des militaires, des policiers faire le tour de la ville pour arrêter peut-être quelques malfrats, c'est ça qui fonde la paix. Mais la paix, ce n'est pas ça. La paix est plus que l'absence du bruit des armes. La paix, c'est être rassuré que tous ceux qui nous suivent sont à mesure de porter aussi le costume que vous portez avec votre cravate. Ils sont à mesure d'avoir une bonne mine. C'est ça aussi la paix. Mais celle que vous voulez nous faire vendre là où une petite poignée roule carrosse, ils mangent très bien chez eux, ils mettent leurs enfants dans les grandes écoles. Pendant ce temps, la majorité du peuple croupit dans la misère et pour vous leur dire qu'il y a la paix. Mais les autres sont en paix. Vous êtes en paix, mais les autres ne sont pas en paix. D'accord, d'accord. Alors, à Saint-Foy-Pont, je veux savoir, est-ce qu'il est urgent, ou alors pas urgent, mais est-ce qu'il est prudent, c'est l'expression, de laisser à la tête d'une transition un conseil militaire? On a vu ce qui s'est passé, par exemple, en Guinée-Conakry avec Moussa Dadis Camara. A contrario, on a vu ce qui s'est passé du côté de la République centrafricaine, où Catherine Samba-Panza a été à la tête de la transition et ça s'est bien passé en tant que civil. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de laisser, au vu de ces exemples-là, les civils prendre la tête d'une transition? En fait, il faut le dire, et il faut le dire de manière catégorique, la prise ou bien l'arrivée au pouvoir des militaires, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière permanente, est un signe qu'un État n'est pas encore démocratique. Il faut le dire. Rien ne peut expliquer, aucune raison sécuritaire ne peut expliquer que l'armée s'accapare du pouvoir. Je le dis encore, l'armée peut travailler avec les civils qui gèrent une transition pour sécuriser le pays. Il n'est donc pas prudent que les militaires s'accaparent d'un pouvoir parce que l'expérience montre que pour la plupart du temps, ils ont tendance à s'éterniser et qu'ils ont même tendance à instaurer un régime de terreur basé essentiellement sur la sécurité. Qu'est-ce qui explique que le président Déby, par exemple, est plus, c'est vrai, que la situation géographique du Tchad peut expliquer qu'on accorde plus d'importance aux questions sécuritaires, mais la sécurité d'un État, ce n'est pas que la sécurité militaire. La sécurité d'un État, que fait-on de la sécurité sociale? Que fait-on de la sécurité sanitaire? De la sécurité éducative? Que fait-on de tout cela? Or, la plupart du temps, ces militaires ont tendance à penser que lorsqu'on arrive au pouvoir, il faut simplement sécuriser le pays sur le plan militaire en laissant de côté tout ce qui concerne le bien-être des individus. Et donc, le danger justement qu'il y a à laisser au pouvoir des militaires, c'est que cela suscite généralement dans le peuple des tensions qui, pour la plupart du temps, aboutissent à la formation des milices qui vont combattre les militaires au pouvoir. Et l'expérience montre la plupart du temps que les régimes militaires ont toujours tendance à être renversés par d'autres régimes militaires. Parce que les civils ont même souvent peur, il a dit, d'affronter les régimes militaires. Parce que la plupart du temps, lorsqu'un régime militaire se met en place, les libertés ont de la peine à s'exprimer. Puisque les militaires sont eux qui ont les armes. Et que si vous allez au front contre eux, la seule chose que vous risquez, c'est la mort. Il est donc prudent pour un régime militaire, même lorsqu'il arrive, ce qui n'est pas déjà une bonne chose, même lorsqu'il arrive à s'accaparer du pouvoir pour une transition, qu'il parte rapidement et qu'il laisse le pouvoir aux civils. Les militaires sont formés pour assurer la sécurité d'un peuple, pour être dans les casernes et jamais pour s'occuper de politique, politicienne de manière claire, de la gestion d'un État. Ils participent aux côtés des civils à la sécurisation d'un territoire, au maintien de l'intégrité d'un territoire, mais de mon point de vue, ils ne devraient en aucun cas gérer le pouvoir politique. D'accord. Pour sortir, Simon Metiengue, quelle est votre lecture de la situation au Tchad dans les deux prochaines années? Bon, je note que moi je crois à la sincérité du Conseil militaire de transition. C'est-à-dire qu'ils sont là pour des situations particulières. Et vous savez qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de marche d'un pays si sa sécurité est littéralement menacée, comme c'est le cas du Tchad. Il faut être au Tchad pour voir, pour comprendre ce qui se passe là-bas. Parce que nous sommes ici, notre pays, il est, sauf dans quelques bribes d'endroits, le Cameroun est sécurisé. Et donc, c'est pour cela que nous parlons et nous disons des choses, mais il faut noter que les pays se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et donc, faire du mimétisme
Dans le fait que si vous portez une veste grise, moi aussi je dois porter une veste grise parce que tout le monde doit porter une veste grise, ça ne marche pas toujours dans la gestion des hommes, surtout dans un contexte géopolitique et géostratégique assez compliqué des pays depuis la déstabilisation de la Libye. Aujourd'hui, nous voyons, ce n'est pas qu'au Tchad. C'est-à-dire que nous voyons que nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Le Mali est aux trois quarts parce que c'est un État démocratique. Le Mali, jusqu'à quelques jours, c'était le cas. Mais écoutez, le Mali aux trois quarts aux mains des djihadistes. Alors allons faire la démocratie de ce côté. C'est-à-dire qu'allons faire la démocratie avec des djihadistes. Lorsque le pays est divisé aux trois quarts et que seulement les un quart, c'est-à-dire Bamako et quelques petites villes là, sont aux mains de démocrates. Alors, il faut qu'on comprenne une chose. Oui, la démocratie, elle, c'est la meilleure des gestions des hommes. Nous sommes tous, c'est pour ça que nous adhérons tous. Nous, au Cameroun, nous sommes, et davantage au RDPC, nous sommes accrochés à la démocratie parce que seule la démocratie peut permettre le développement. Donc, nous prenons cela. Mais nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire comme si, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la situation qu'un pays frère vit pour rester dans les principes, parce que nous restons dans les principes. Nous, ce qu'on souhaite, notre souhait, est que le Conseil militaire de transition passe la main le plus rapidement possible aux civils et pour qu'ils rentrent dans les casernes et continuent à sécuriser, comme ils savent bien le faire le Tchad. Et que justement, que si évidemment les FARC, comme ils ont dit, qu'ils souhaitent qu'il y ait des négociations afin qu'on pacifie de ce côté-là et que le Tchad continue dans sa lancée de développement. Parce que le Tchad avant 90 n'est pas le Tchad d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Si on ne veut pas le dire, c'est parce qu'on veut rester dans la logique de la stigmatisation, de la diabolisation et autres. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a la démocratie qui a pris corps dans ce pays-là. On a vu plusieurs élections et on pense que ça peut davantage continuer. La transition qui vient de se passer doit servir. Il a servi de contre-exemple, c'est-à-dire que, sauf dans les cas d'exception, nous devons continuer dans notre lancée démocratique. Ce n'est que là où nous pouvons penser que les choses vont aller de mieux en mieux. Notons que le Tchad est à quelques jets de pied du Cameroun. Donc tout ce qui se passe là-bas, c'est pour ça que nous, contrairement peut-être aux autres, nous avons un regard bien plus réaliste de la chose. Nous ne voulons pas rester dans les concepts. Nous regardons les choses avec réalisme. Il y avait pragmatisme pour comprendre que si ça chavire au Tchad, nous serons impactés. Et parce que nous serons impactés, il va falloir regarder les choses, non pas avec, avec des propos de convenance et autres, mais avec des propos vrais. Nous disons que la transition, le conseil militaire ne répond pas aux normes démocratiques, ça c'est vrai. Et c'est pour cela qu'on l'appelle conseil de transition. C'est-à-dire que la transition doit être très courte. Bon, 18 mois, même c'est trop, c'est-à-dire qu'il suffit de pacifier ce qu'il y a à pacifier et de remettre le pouvoir civil afin que la mémoire du 10 début ne soit pas écorchée. Alors pour une seconde, je voulais dire que l'argument sécurité ne serait tenu. Quand on fait une comparaison avec la RCA, où pratiquement on avait du mal encore à considérer la RCA comme un État, avec des bandes armées, des troupes armées, on a vu par exemple qu'il y a eu des généraux qui ont voulu assurer la transition comme Botodia et bien d'autres. Ils ont carrément échoué sur le plan sécuritaire. On a vu la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, qui est venue remettre le pays sur la bonne route. Des élections ont été faites et aujourd'hui on a un président, Touadéra, qui est là et qui est en train de faire un deuxième mandat. Donc l'idée, si il fallait prendre en compte l'aspect sécuritaire au niveau de la RCA, je vous assure qu'il fallait trouver peut-être 15 généraux pour pouvoir également gérer cette transition. Donc cet argument est un mauvais argument. Il faut simplement dire que le Cameroun et la France ont décidé de soutenir un coup d'État militaire. Et comme c'est le président de la République qui incarne le Cameroun... Vous allez m'excuser, je ne peux pas dire ça sur le plateau, je vous en prie, je ne peux pas. J'aime mon boulot et il y a un Conseil national de la communication. Alors, Joseph Chedjou, on sort carrément de l'émission. Alors, que retenir finalement? Alors, au sorti de cette émission, je retiens que on a l'impression que le Tchad sera une deuxième saison de la Libye que nous serons en train de vivre. Mais tout au moins, nous ne doutons pas de l'armée qui est en train de prendre le pouvoir maintenant. Sauf que, on le dit avec beaucoup de réserve, sachant bien sûr que beaucoup de pays qui ont connu ce genre de tragédie ont toujours vécu une période dans le noir. Et du coup, moi, je parle avec beaucoup de réserves, sachant bien sûr que déjà que les lois
de cette république ont été biaisés tout en mettant en marche la constitution et en mettant le président, celui qui devait prendre, n'est-ce pas, la vacance de pouvoir, ça démontre déjà à suffire qu'on peut remettre en cause, n'est-ce pas, cette transition qui est désormais gérée par l'armée pour un bon bout de temps. Et en même temps, ces 18 mois qui ont été proposés, je doute encore fort que ce soit réservé à ces 18 mois parce que nous connaissons bien sûr que c'est aussi un mécanisme pour cette armée-là de bien faire soit sa stratégie pour désormais gouverner le Tchad. Donc, au sorti d'ici, je retiens justement qu'il y a eu un peu de laxisme au niveau de la gestion, à la préparation de l'héritage de M. Déby Itno. Il n'a pas vraiment pris son héritage, mais tout au moins, nous restons confiants, nous sommes comme les Africains. Nous avons toujours eu plus ou moins des compétences que beaucoup ne voient pas souvent, mais à plus forte raison, elles sortent de nulle part. Et nous pensons que bon, peut-être cette armée dirigée par le fils de l'autre pourra vraiment tenir aux attentes des Tchadiens et aux attentes des Africains, il faut le préciser. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous du Grand Débat, ce sera dimanche quand il sera 11h sur les antennes de Candice Télévision, la plus républicaine des télévisions qui existe au Cameroun actuellement. Prenez le rendez-vous du grand format de l'actualité de ce soir. Ce sera à 20h, une présentation de Chantal Yao. Demain, quand il sera à 12h, ce sera Linda Abimvondo qui se prêtera au jeu du rendez-vous de l'information, qui sera accompagnée naturellement de Colette Loum pour le journal bilingue sur les antennes de Camdis Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se suivent. Bien bonsoir.